Bonsoir à tous, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir pour bienvenue à Ça se discute. Au Transmis de Paris, studio 102 de la Maison de la Radio. Bonsoir ou rebonsoir donc pour ce deuxième Ça se discute de l'année 1999. Je souhaite donc une très bonne fin de siècle à ceux qui n'étaient pas avec nous mercredi dernier. Nous donc de reprendre la balle au bon, transmise ce soir par Isabelle Otero après la diffusion du joli film qui porte ce nom. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est ainsi, en tout cas, les femmes comblent tout doucettement, peu à peu, le fossé qui les sépare des hommes. Les différences de salaire s'estompent, par exemple, doucement mais sûrement. On nous promet la parité à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, c'est une promesse. Cette année, une femme a dominé le Dakar. Et puis, les femmes se mettent aussi à la boisson. Il y a 30 ans, un alcoolique sur 10 était une femme. Aujourd'hui, il y a une femme alcoolique pour 4 hommes. C'est donc en sérieuse progression. N'en déplaise aux publicitaires, les femmes qui boivent n'ont pas toujours une crinière rousse qu'elles jettent avec beaucoup de sensualité sur une bière un peu mousseuse. Les femmes n'affichent pas leur alcoolisme. Là où parfois les hommes font encore un peu les fierots ou les fanfarons, les femmes se cachent quasiment systématiquement. La société les juge sévèrement, l'alcoolisme féminin reste encore un tabou. Raison de plus donc pour entendre ce soir celles qui le plus souvent boivent seules, hors des regards, chez elles, dans ce qu'on pourrait appeler la honte, la culpabilité ou encore l'isolement. Nous écouterons donc différentes invités, Christelle et Cathy. Bonsoir mesdames ou mesdemoiselles, sérieusement grimées, très réussies en tout cas. Christelle, vous nous direz comment, à 23 ans seulement, vous avez déjà vécu 6 ans de maladie alcoolique ponctuée par un coma éthylique. À vos côtés, Cathy. Bonsoir Cathy, qui Bonsoir. Nous expliquera comment on passe de l'alcoolisme mondain ou professionnel à l'alcoolisme tout court. À vos côtés, Marie-Ange. Bonsoir. Bonsoir. Vous ne rencontrez Marie-Ange qu'après 5 ans et 8 mois d'abstinence. Vous comptez encore les jours? Les mois. Vous ne touchez plus une goutte d'alcool aujourd'hui? Plus une goutte d'alcool. Plus une goutte. Puis à vos côtés, nous écouterons toute la famille Rousseau. Bonsoir mademoiselle, bonsoir, bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir madame. Nelly, donc sa fille Émilie et son fils Rudy. 7 ans d'alcoolisme Nelly, c'est ça? Oui. 7 ans d'alcoolisme. Rudy qui était un tout petit garçon vous accompagnait au bistrot. Pas seulement le soir. Pas seulement le soir. Parfois ça vous dispense à l'école, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais, même contre votre gré. Et pendant ce temps, Émilie attendait à la maison. La famille n'est pas au complet, hein. Vous avez encore des frères et sœurs. Il en manque deux. Un grand, et un petit. Et un petit. Avant de vous présenter les invités à qui nous avons consacré un reportage ce soir pour illustrer leur histoire. Je vais me tourner vers une jeune femme dont le visage vous est familier si vous étiez avec nous sur France 2 depuis 20h50. Il s'agit d'Isabelle Otero qui interprète donc la maman alcoolique du film La balle au bon qui est avec nous ce soir. C'est elle qui conclura. Bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps. Bonsoir, bienvenue et merci. Dites-nous d'abord comment vous êtes préparée pour ce rôle de femme malade alcoolique, puisque c'est une maladie. Bah, d'abord, j'ai pensé que Martine n'était pas tout de suite une alcoolique, mais surtout une femme dépressive et qui buvait depuis peu. En fait, elle boit depuis un an et demi pour moi. Et donc, j'ai essayé de travailler sur l'abandon. Je pense que quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui s'abandonne à la détresse et qui tout d'un coup a un grand vide dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle ne voit plus, apparemment, donc dans ce téléfilm, ça c'est décrit, elle ne voit plus ses enfants, elle ne voit plus son mari, elle ne voit plus la réalité et elle est ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission ce soir? Ben, c'est vrai que quand j'ai approché ce personnage, c'est vrai que je ne bois pas, mais je me suis demandé ce qu'on pouvait éprouver, ce que cette détresse pouvait à ce point vous éloigner du monde et surtout par rapport aux enfants. C'est vrai que j'ai du mal à croire qu'on puisse à ce point abandonner les enfants et ne plus les voir, quoi. Et donc c'est certainement une explication que donneront certainement ce soir certaines des femmes qui sont là. Quand vous dites que vous ne buvez pas dans la vie, c'est-à-dire que vous ne buvez pas une goutte d'alcool jamais? Si. Ah oui. Si, si. Okay, et même si j'étais sincère, je pense qu'à un moment donné dans ma vie, j'aurais pu boire. Mais sans doute que j'étais suffisamment lucide par rapport à moi-même à ce moment-là ou attachée à des choses dans ma vie qui me permettaient de tenir. Et donc, je n'ai pas bu, mais je peux comprendre qu'on se laisse glisser là-dedans. Vous avez compris la fragilité, en fait, de... Oui, je crois que c'est surtout de la fragilité, ouais. Oui. Ouais. D'accord, très bien, on va écouter différents invités. Je vais présenter maintenant ceux à qui nous avons consacré un reportage, en commençant par vous, Sigrid. Bonsoir, merci d'être avec nous, sous les encouragements du public. Sigrid, vous avez des enfants, vous avez combien d'enfants? 5 enfants. Dont des triplés. Dont des triplés. Donc là, le personnage d'Isabelle dans le film a des jumeaux, vous, voilà. C'est des triplés. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Vous avez vu ce film? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Je me suis revue dedans. Vous êtes vue dedans? Oui. Sigrid, avec vous, on abordera les façons dont on peut sortir de l'alcool, avec beaucoup de personnes ici, mais vous spécifiquement, puisque vous êtes actuellement, non pas en cure, mais en post-cure. En post-cure, oui. En post-cure, vous serez remise à vous-même, si on peut dire, dans une dizaine de jours maintenant. Voilà, oui. On vous a préparé à réentrer dans la vie avec une post-cure telle qu'on... Je ne l'imaginais pas, en tout cas. On vous apprend à revivre, à refaire la cuisine, à vous occuper de vous-même, vous coiffer, vous maquiller, faire de la gym, des massages, et à finir par vous trouver jolie. Oui. On regarde un extrait de ce reportage qu'on verra tout à l'heure en intégralité. Sigrid, 39 ans, il y a 3 mois, elle buvait 4 litres de whisky par jour. Aujourd'hui, elle est en post-cure dans un centre qui n'accueille que des femmes. Ici, on réapprend d'abord à parler. Mais j'ai toujours peur de la réalcoolisation. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup alcoolisée parce que je me sentais énormément seule. Donc ça me fait peur, ça aussi, la solitude. Mais bon, il faut que je travaille là-dessus. Ça fait combien de temps que vous utilisez l'alcool? Depuis l'âge de 16 ans. C'était comment à ce moment-là? Bah, j'avais un bien-être. Ça me permettait d'amuser les autres. Les autres, c'est-à-dire? Bah, les copains, les copines. La culpabilité, la solitude, le regard des autres, ces femmes ont toutes connu les mêmes souffrances. Ce qui est nouveau, c'est qu'ici, elles en parlent. Ce que je faisais, c'était me lever, boire, fumer ma cigarette, regarder la télé, même plus faire à manger pour les enfants, plus rien. C'était mon mari, quand il rentrait du travail, qui faisait tout. Donc, j'avais qu'une hâte d'ailleurs que mon mari parte travailler pour moi pouvoir boire. Et bien, si longtemps, t'étais encore, tu culpabilisais beaucoup pour ça. Oui, je crois que ce week-end, là, il m'a vachement ouvert les yeux. Même mon fils, là. C'est important. Et parce que je dis, avant, moi, il m'appelait carrément la vieille, et maintenant, c'est maman, ma mère. On voit bien que ça sent du fond du cœur. C'est ça qui me fait plaisir, parce que lui, il était très dur à rattraper. Ouais. Mais ils avaient une façon de se manifester. C'est super de pouvoir entendre, surtout quand on a le regard des autres. C'est vrai que ça fait mal le regard des autres, mais surtout de sa famille, surtout de ses propres enfants. Voilà, donc on verra tout à l'heure en détail comment on vous prépare à revenir à la vie civile, ça va? Ouais. Ouais. Une de vos filles est avec vous ce soir? Oui. Où est-ce qu'elle est? C'est vous, mademoiselle? Une des triplées, donc? Oui, oui. Très bien, vous avez quel âge aujourd'hui? 18 ans. À vos côtés, Serge et Marie-Thérèse. Bonsoir Serge, je ne vous ai pas dit bonsoir. Bonsoir Marie-Thérèse, si vous voulez bien, mesdames, messieurs. Vous avez 3 enfants. C'est un petit bout de temps que vous êtes mariés tous les deux. Hein. Oui. Il y a des couples qui ne divorcent pas dans ce pays, vous en faites partie. Vous avez 3 enfants qui ont aujourd'hui 23, 27 et 28 ans. Enfin, je dis ça, ce n'est pas complètement par hasard, hein, puisque vous auriez pu y penser à un moment de votre existence. Puisque Marie-Thérèse, vous êtes restée malade alcoolique pendant une dizaine d'années, ce qui était extrêmement long. Avec vous, on parlera des conséquences de l'alcoolisme sur l'entourage immédiat, les enfants, mais aussi la vie du mari, ici présent, qui est un musicien concertiste. Donc on vous a suivi après une sortie de cure, et puis également ce soir, cette fameuse soirée que tout le monde a vécue dernièrement, où on a plutôt le coude assez souple, encore une fois, parce qu'il s'agit du 31 décembre. C'est donc un extrait du reportage qu'on verra un petit peu plus tard, dans son intégralité. J'arrivais à faire la différence entre Marie-Thérèse, que je connais, qui est une femme formidable, intelligente, bosseuse, qui s'est donnée beaucoup pour les autres. Et puis, l'alcool fait naître ensuite une deuxième personne. Puis même si je te choque, cette deuxième personne, je te le dis, c'est un monstre. Un monstre, c'est terrible. Alors on n'a plus envie de la voir, cette... Puis toi non plus. Puis de toute façon, c'est pas toi, c'est l'autre. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Allez, c'est le départ. Marie-Thérèse est alcoolique depuis 10 ans. Elle sort de sa 3e cure, une cure de sevrage de 2 semaines à l'hôpital de Metz. J'avais un copain médecin, on était très proches, qui m'a dit « ta femme boit ». Ouais. Si, si, elle boit, elle boit des... J'ai pas voulu croire. On a commencé à avoir des traces de bouteilles. Jamais devant nous, hein. Jamais, jamais. Tout était caché, et puis on s'en aperçoit, puis il y a un moment, on s'en fiche. On regarde si elle n'est pas morte, on la soulève, on la met dans un lit, il y a ce moment-là, et puis... Puis à un moment, inconsciemment, et ben vous avez envie de lutter, ça reprend. Et puis à ce moment-là, ben de nouveau, vous allez repartir à téléphoner, à essayer de trouver un médecin, à essayer de trouver un hôpital, et puis voilà, puis on repart à la bagarre. Oui, la suite, c'est la soirée du 31, vous n'avez pas craqué, vous n'avez pas craqué depuis? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça donne le sourire, ça. Ah oui. Monsieur Rémi François est également avec nous, mesdames et messieurs. Bonsoir, monsieur François. Vous êtes directeur du centre médical du château de l'Étrette, qui se trouve dans le... Dans le Rhône. On a rencontré une de vos patientes qui venait suivre une cure de désintoxication. Au bout de quelques jours, elle a dû rentrer en hôpital psychiatrique.
On a pu donc difficilement la suivre. C'est pour ça que le reportage qui va débuter cette émission sera fait de manière anonyme. Est-ce que ça arrive souvent que certains de vos patients, est-ce que ça arrive parfois que vos patients vont jusqu'en HP? Ça arrive parfois. Je dirige ce centre depuis maintenant 18 ans. Il est évident que la maladie alcoolique prend des formes tout à fait différentes. Et là, dans le cas présent, nous avons été confrontés à une malade dont l'origine de sa maladie alcoolique est une origine psychiatrique. On va donc commencer avec ce reportage avec Stéphanie. On va l'appeler Stéphanie puisqu'elle a donc décidé finalement de conserver l'anonymat. Stéphanie qu'on a rencontrée chez elle. C'était la veille de son départ pour une cure prévue donc dans votre centre, Rémi. Elle buvait dès le matin, ce qui explique son état quand Christophe Lancelotti et Miguel Gonan sont arrivés chez elle. Voici donc ce reportage pour commencer sa discute. J'ai l'air, j'en ai marre. Comment ? J'ai l'air, j'en ai marre. Est-ce que vous arrivez à... Est-ce que vous avez l'impression d'arriver à vivre normalement, de faire les tâches quotidiennes, tout ça ? J'ai rien envie de faire, je me force. En pleurant, je fais toutes les tâches quotidiennes. Alors je me dis, qu'est-ce que ça doit être pour les femmes quand des gosses ? Rien que le fait d'appuyer ma toilette. C'est horrible, j'ai pas de force, hein. Je bois pour aller faire ma toilette, pour tout faire en fait. Se lever le matin et puis se dire tu vas recommencer ça, et puis je peux pas m'empêcher de reprendre cette bouteille. Puis me dire arrête, et puis, quelque chose me pousse à la prendre. Je sais pas, au début je disais que c'était juste pour aller travailler, puis après même quand j'étais de repos, j'en avais besoin. C'était devenu physique, c'était mon corps qui avait besoin. Stéphanie, 31 ans, est alcoolique depuis 6 ans. Il y a un an, elle a tenté une cure qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, elle a décidé de renouveler l'expérience car en plus de l'alcool, Stéphanie prend beaucoup de tranquillisants et elle se sent à la limite de craquer complètement. Je me disais, je me fous en l'air ou je me fais soigner. Bon, j'ai revu une psychologue alcoologue qui m'a aidée. C'est pas elle qui m'a aidé à me faire soigner, c'est moi qui lui ai dit, bon, faut que je parte. Parce que où je partais, je me foutais en l'air. J'ai commencé à boire parce que pour avoir des choses avec des garçons, pour rencontrer des gens, pour vaincre ma timidité, un tas de trucs, quoi. Un peu par ennui, par solitude ou pas? Ouais, vachement aussi. Enfin, surtout le week-end. Surtout le week-end, je supporte pas le week-end, les fêtes. Là, ce matin, je me suis levée en général, c'est 9h. Je me lève à 9h pour boire. Et puis le soir, à 5h jusqu'à 7-8h. Et qu'est-ce que vous buvez à 9h du matin? N'importe où. Au début, c'est Martini. Je trouvais que c'était meilleur. Enfin, puis après, je buvais n'importe quoi. J'achetais du Porto à 29 francs. Celle-là, j'avais prévu de l'emmener sur la route. De l'emmener à la cure? De l'emmener pour la boire en voiture. Vous n'allez pas le faire? Non. C'est le jour J pour Stéphanie. Elle repart en cure dans le centre spécialisé qui l'avait déjà accueilli, le château de l'Étrette, dans le Beaujolais. Elle va d'abord s'entretenir avec le psychiatre du centre, le docteur Revol. Bon, on se connaît, hein, je crois. Hein, on s'est déjà vu il y a un an à peu près, hein, c'est ça?
Bon an, ouais. T'étais venue en 98. J'étais en février. 98. T'es partie le 7-1-98. Ouais, ouais. Tu as mis combien de temps pour rechuter? 4 mois. 4 mois. Donc pendant 4 mois, tu as été abstinente complètement. Ouais. Mais j'avais que ça dans la tête. Tu pensais qu'à l'alcool? Ouais. Et quand tu pensais qu'à l'alcool, tu as pu en parler à quelqu'un? Ouais, mais en plus d'un temps, je... Puis quand j'allais dans les supermarchés, je traînais sans arrêt vers les bouteilles. Tu regardais les bouteilles? T'avais des obsessions mentales d'alcool? Voilà, j'avais que ça dans la tête. Est-ce que tu as retiré quand même, dans l'abstinence, des bénéfices à être abstinente? Non. Donc t'étais malheureuse? J'étais malheureuse sans alcool. T'étais malheureuse sans alcool. Puis, j'ai commencé à boire, je m'étais dit, c'est pas vrai, t'es pas alcoolique. Tu peux reboire. Toute personne qui est passée ici, si elle reboit de l'alcool, elle va rechuter. Ça, c'est une règle, on en est sûr. Ah, c'est une règle, on en est sûr. Ça veut dire que c'est pas évident, hein, quand on s'arrête de boire, de se dire, par exemple, si on a 30 ans, si elle vit jusqu'à 80 ans, pendant 50 ans, il faudra que je reste sans boire. C'est impossible à appréhender dès qu'on s'arrête de boire. Mais au fur et à mesure que l'abstinence va s'installer, au fur et à mesure qu'on va tirer des bénéfices de l'abstinence, au fur et à mesure qu'on va avancer, évoluer dans son abstinence, progresser, passer des étapes, il y a un moment donné, au bout de 3 ou 4 ans, je dirais que c'est pratiquement plus un problème d'appréhender toute sa vie sans alcool, enfin le reste de sa vie sans alcool. L'expérience que j'ai en tant que thérapeute en alcoolologie, en tant que psychiatre en alcoolologie, qui a quand même 15 ans, me montre que l'alcoolisme féminin, c'est le même que l'alcoolisme masculin, sauf que pendant très longtemps, les femmes étaient condamnées à la clandestinité parce qu'il y avait une connotation tellement péjorative autour de l'alcoolisme féminin. Une femme qui buvait, elle ne pouvait pas être une bonne mère, elle ne pouvait pas être une bonne épouse. Une femme qui buvait dans les cafés, ça veut dire qu'on lui payait à boire et c'était une pute. Donc c'était une femme facile. Donc bon, c'est pas facile à endosser mauvaise mère, mauvaise épouse et pute. Stéphanie est parrainée par Ghislaine, une malade qui va bientôt sortir du centre. Et la cure pour Stéphanie commence réellement maintenant avec le sevrage. Un moment difficile à vivre, surtout quand les souvenirs sont encore très présents. D'accord. Ça va, hein? Ça va? Ça vous fait un peu bizarre de vous retrouver un an après ici? Ouais. Ouais. C'est après, j'ai... C'est à tout revenir, quoi. Ici, quand on arrive, la première chose qu'on va te demander, c'est bien sûr l'arrêt de l'alcool. Et pour éviter tous les problèmes du sevrage, c'est de boire 3 litres d'eau par jour à partir d'aujourd'hui. Hein? Les problèmes, tu les connais puisque tu es déjà passé ici, c'est la crise épilepsie, voire même un peu plus loin, le prédélirium. Une autre chose, est-ce que tu as amené des produits de toilette qui pourraient contenir de l'alcool? Eau de toilette, parfum, déodorant. L'année dernière, je tenais mon parfum, oui. Oui. Pas cette année. Ça n'était venu sans rien. Ouais, déodorant sans alcool. Sans alcool? Bon, bah c'est parfait, c'est impeccable. Donc on va pouvoir te poser la perfusion. Tu vas pouvoir t'allonger, être un peu plus tranquille. Hein? Allonge-toi. Principale des propriétés de l'alcool, pardon, c'est de déshydrater. Donc, de réhydrater, ça évite tous les problèmes du sevrage. Et en premier lieu, la crise d'épilepsie. Au bout de 3 jours... Voilà, je vais te faire aussi une chauffante. Hein. Oui. Tu sais ce que c'est une chauffante? Oui, hein, c'est du sulfate de magnésium. Hein, donc, ça va te chauffer dans tout le corps. Hein, ça va commencer par la gorge, ça va aller dans les extrémités. Hein, d'accord? Tu respires bien quand ça commence de chauffer dans la gorge, ok? Allez, respire tranquillement. Tu prends ça comme une vague de chaleur qui te fait du bien. Alors la chauffante, on l'utilise pour plusieurs raisons. Parce que c'est du magnésium et que ça détend. Et puis ça diminue les effets, les envies et les flashs d'alcool qu'on peut avoir dans la journée. Je suis pas trop horrible pour descendre. Non, t'es pas horrible. Premier jour, on est tous pareils aussi. Et en 2-3 jours, on est déjà beaucoup plus jolis. Ça te donne de l'espoir de voir quelqu'un comme ça qui, au bout d'un mois de cure, va être très bien? Ouais. Ah oui.
Un reportage de Christophe Lancelotti et de Miguel. Vous avez eu des nouvelles de cette jeune femme? Oui, elle a été... Où est-ce qu'elle en est actuellement là? Elle va bien. Elle a été hospitalisée en psychiatrie parce qu'il y a eu... Elle a fait une petite décompensation. Peut-être liée... Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement liée à l'introspection très profonde qu'elle a été obligée de faire, un peu à cause des caméras, ouais. Très certainement, hein, qui l'a fait aller assez loin. Et puis un peu de crainte de voir ressurgir le passé et un passé qu'elle allait montrer à tout le monde. C'est un échec? Alors, pour vous, ou est-ce que c'est une phase transitoire? Non, ça arrive parfois. C'est pas du tout un échec. Elle reprendra la cure. Hein, ouais. Il faut qu'elle passe ce cap, ce qu'on appelle une décompensation. Hein, Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans le centre? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a eu une petite crise délirante. Hein, ce qu'on peut appeler une petite bouffée délirante. Vous savez, l'alcool est le meilleur des psychotropes. Alors, c'est à la fois un très bon anxiolytique, c'est-à-dire un très bon anti-angoisse, c'est un très bon antidépresseur, c'est un très bon désinhibiteur. Donc, ça soigne toutes ces maladies qui sont de l'ordre de Monsieur Tout-le-Monde. Je dirais, on peut tous avoir des crises d'angoisse, des crises de dépression, des crises d'inhibition. Mais parfois, l'alcool est un tellement bon psychotrope qu'il est capable de traiter, ouais. de traiter une maladie psychiatrique de ce type. Peut-être qu'elle a eu tort d'ailleurs de ne pas boire le jour de l'entrée. Vous avez vu, elle a brisé symboliquement ses bouteilles. On aurait voulu essayer de tourner la séquence, on n'aurait pas pu faire mieux. On a vraiment vu sa nervosité. Tout à fait, et c'est vrai que le fait d'avoir jeté ses bouteilles et de ne pas s'être traité devant les caméras en sachant que... sa famille la verrait peut-être, ça a joué dans cette décompensation, ce qu'on appelle une décompensation psychotique, qu'elle a présentée une dizaine de jours après. Mais ce n'est pas du tout un échec, elle reprendra la cure, hein. C'est tout à fait une évolution normale. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas un cas classique. Marie-Ange, comment vous avez réagi en voyant cette jeune femme qu'on a appelée Stéphanie pour préserver son anonymat? Est-ce que vous avez revu une Marie-Ange que vous aviez connue dans le passé? Je pense que bon, la caméra va, dans le temps à venir, va l'aider. Parce que la caméra l'a secouée. Et je pense qu'elle va réagir et qu'elle va gagner. Pour un alcoolo qui se met à nu comme ça, mais c'est le courage, il n'a pas de dimension, quoi. Et moi, je trouve qu'elle a eu un courage extraordinaire. Bon. À quel âge vous avez commencé à quel âge vous est venu le goût de l'alcool? 12 ans. 12 ans? 12 ans. Ensuite, comme tous les ados, j'ai fait des booms, comme on faisait à l'époque. Je suis apprentie espagnole, donc le Ricard, on avait très bon marché, donc ça a coulé facilement. Ensuite, je me suis mise j'ai vécu en concubinage avec quelqu'un où c'était des soirées au restaurant homme-femme-alcool, à outrance, pour moi en tant que femme. Ensuite, les soirées de poker au domicile du samedi au dimanche, donc uniquement avec des hommes. Donc j'ai bu comme les hommes. Ensuite, je me suis retrouvée seule du lundi au vendredi. Et les femmes encaissent moins que les hommes, hein, ça c'est quelque chose qui est avéré, oui. Même si entre les femmes et entre les hommes, évidemment, il y a des différences. Exactement. Et en plus, la femme, bon, je fumais, je ne m'alimentais pas. Je suis tombée à 42 kilos, donc aucune force, ni physique, ni morale, aucune force, quoi. Complètement... complètement sans énergie, sans volonté, sans rien, quoi. Au point de ne pas avoir envie de se laver, parce que là, la vaisselle, c'est rien. La vaisselle, on peut l'accumuler. Mais même l'hygiène du corps, bon, ben, masqué avec un maquillage, aller bosser pareil, enfin, masquer tout, quoi, c'est le leurre. Hein. On se laisse aller, comme dit Aznavour. Mais on n'a pas de force. Ouais. On n'a vraiment pas de force. Dans les pires moments, au maximum, vous buviez quelle quantité d'alcool par jour? Moi, je suis arrivée à 2 litres de whisky par jour. Ou deux de Ricard. Et alors, ça dépendait. Quand j'avais mon salaire, j'avais un alcool fort. Au fur et à mesure que la paye diminuait, j'arrivais à la bouteille de vin en plastique, hein, comme tous mes copains qui sont dans la rue. Hein. Et voilà, quoi. Puis la nouvelle paye arrivait, de nouveau le 40 degrés. Et vous travaillez pendant ce temps-là? J'ai travaillé, mais j'ai été très... j'ai eu des collègues extraordinaires, quoi. Parce que comment on arrive à travailler quand on se met dans des états pareils? Ben, j'avais des collègues qui m'ont aidé. On ne m'a pas jugé, on ne m'a pas montré du doigt. On m'a dit faut te soigner, je disais je ne suis pas malade. Donc pour moi c'était passager, je n'ai pas conscience encore de la maladie. Hein. J'ai fait je ne sais combien de cures. Et c'est en hôpital psychiatrique que j'ai eu un déclic. Je pense que... C'est-à-dire? Ben, j'ai côtoyé des gens qui étaient très touchés.
Et je pense que quelque part, ça a dû me dire où tu continues, où tu meurs, et puis où tu en arrives là, quoi. Hein. Vous aviez l'alcoolisme partagé ou l'alcoolisme solitaire? Alors, jamais les bars. Vous aimiez les bars? Donc, après le boulot, j'allais dans un bar. Des hommes, toujours, hein, des hommes. Et je trouvais le moyen de boire en rentrant à la maison. Donc, mon temps de sommeil. Il y en a qui pensent que c'est parce que vous recherchez le contact des hommes que vous allez dans les bars. Oui, j'ai bien aimé tout à l'heure. Oui, je crois que j'aime le côté convivial du bar, parce qu'on est tous à égalité. Puis on rêve qu'on a plein d'amis, plein de copains, quoi. Hein. Parce qu'à la maison, il n'y a peut-être pas ce qu'il faut non plus. Hein. Mm-hmm. Ça, il ne faut pas oublier ça. Et vous continuez dans les bars, hein, ce que je disais au début de l'émission. Oui, je continue. Et je continue à côtoyer les gens qui ont bu, avec qui j'ai bu. Mais vous leur dites, tu bois trop, tu bois pas... Ah non, ça, je n'ai pas le droit, parce que moi, je ne l'acceptais pas quand on me le disait, donc non. Je tolère... S'il y en a qui boit un verre d'eau, une bière sans alcool, qu'est-ce que... Alors là, on n'a pas besoin de parler, ça, on remarque, il y a un sourire superbe. Et bon, ben, on sait qu'on est dans le même parcours, quoi. Hein. Il aura 1 an, 9 mois, 5 ans, enfin moi j'en suis à 5 ans. Ouais. Mais c'est une connivence. Hein. Et on se dit depuis quand tu as arrêté? Oui, on arrive à le dire, t'en es où? Puis bon, on dit le nombre de mois, en général on travaille vraiment, moi. Enfin on travaille. Ouais. C'est au nombre de mois qu'on arrive. Ouais. Est-ce que vous aviez l'alcoolisme solitaire aussi ou uniquement dans les bars? Ah non, après à la maison, oui. À la maison? Ah oui, jusqu'à tomber, quoi. Jusqu'à tomber. C'est-à-dire, cette souffrance à tomber, se recroqueviller sur un lit ou dans un coin, et, aller vomir et puis recommencer comme si le fait d'avoir vomi, ça avait éliminé l'alcool, et ainsi de suite, quoi. En attendant le sommeil jusqu'au matin, quoi. Oui, voilà. Puis se sevrer le temps du sommeil, parce que bon... Et puis recommencer très vite, à attendre midi avec impatience parce qu'il fallait recommencer. Et puis le soir, alors c'est... Vous avez vécu avec quelqu'un pendant... J'ai vécu avec quelqu'un, pendant longtemps? Pendant ces périodes d'alcool, une vingtaine d'années, oui. Ah ouais, c'est longtemps. Une vingtaine d'années. Vous cachiez vos bouteilles ou vous buviez devant lui? Je cachais mes bouteilles. J'ai retrouvé des bouteilles derrière le lavabo. Je me souviens avoir fait ça, derrière la colonne. C'était ma cachette. Je crois que la salle de bain, c'était mon fief. Marie-Ange, qu'est-ce qui vous a décidé à dire stop, en fait? C'est difficile de comprendre, parce que dire stop 5 mois, c'est une chose, et puis dire stop depuis 5 ans et quelques, c'en est une autre. Hein. Alors, ça, j'en sais rien. Je pense, c'est une dermatologue qui m'a donné la raison. Je pense que vous avez eu envie de mourir, et que tout d'un coup, vous avez eu envie de vivre. Et ça, c'est en 24 heures. Je trouve qu'il n'y a pas de mots, de toute façon. Il n'y a pas de mots. Pourquoi cette force pour mourir? Parce que c'est une force pour mourir. Et pourquoi tout d'un coup ce rebond et ce ricochet, quoi, en fait? Qu'est-ce que vous recherchez dans l'alcool? Qu'est-ce que vous recherchiez? Ah, tout oublier. Et puis la solitude que je n'admettais pas. Je me sentais larguée comme femme, hein. Pas aimée, laide, insignifiante, enfin plus qu'insignifiante, rien du tout, quoi, inexistante. Et puis là, bon, ben, c'est le leurre, hein, et c'est tout. Hein. Il y a des moments où on a l'alcoolisme heureux quand on boit? Pas quand on est alcoolo. Pas quand on est alcoolo. Non. Contraire. Tout le monde a le confiance? Ouais. Au début, il y a quand même de l'alcool heureux. Ah oui. Enfin, pour moi, voilà, au début, oui, mais quand même, faut le dire, parce que je crois que c'est ça qui entraîne. Enfin, pour moi, qui a entraîné. Pendant combien de temps vous avez eu l'alcool heureux? 6 ans. J'ai bu 10 ans et pendant 6 ans, j'ai eu ce que j'appelle l'alcool heureux, l'ivresse, la bonne ivresse. Et qu'est-ce qui s'est passé la 7e année alors? Je pense que je suis tombée en dépendance. Les 6 premières années, vous n'étiez pas en dépendance, ou vous encaissiez, vous, hein? Oui, j'encaissais bien. Oui. Vous n'avez pas bu depuis combien de temps? 2 ans, un peu plus de 2 ans. Christelle, depuis combien de temps vous êtes sobre, vous? 2 ans, 5 mois et 13 jours. Ah, vous comptez, vous, hein? Oui. Vous comptez tous les jours? Et quelques heures. Vous n'avez pas votre montre. Vous avez commencé à boire assez tôt? À 15 ans, oui. Et avant ça, vous avez commencé même en étant petite? Boire, ce n'était pas l'ivresse que j'ai pu avoir à ma première cuite à 15 ans, mais j'avais des tendances fâcheuses à finir les verres, ouais. À partir de quel âge? Ouais, 6 ans, ouais. Quand on voyait du monde, mes parents ouvraient des bouteilles, pas pour eux, mais pour les invités. Une fois qu'ils partaient, qu'ils disaient au revoir sur le palier... Vous alliez finir les verres, 6 ans, 7 ans, 8 ans, toute votre enfance, comme j'allais ça? J'allais finir. La première cuite à 15 ans, à partir de quel moment vous êtes senti, vraiment dépendant de l'alcool? À 17 ans, lorsque j'étais à la DAS, lors de mon placement. Où là, c'était dans ma chambre, je voulais pas que les éducateurs rentrent. Enfin, je cachais pas mes bouteilles, parce que dans ma chambre, c'était sur mon bureau, sur mon lit. Mais ils avaient un respect des jeunes qu'ils accueillaient dans leur centre, donc ils rentraient pas sans notre accord. Je buvais pas mal et quand j'avais pas, je disais à l'éducatrice que j'avais mal à la tête. Ce qui fait qu'elle allait me chercher un efferalgan. Le temps qu'elle ait le dos tourné, je trouvais toujours une excuse et je piquais l'alcool à 90. Ah oui, c'est là que vous dans avez... la cuisine, le vinaigre. À 17 ans? Ouais, déjà, ouais. Comment vous avez atterri à la DAS?
Parce qu'un éducateur avait été prévenu par ma sœur qu'il se passait des choses pas terribles pour moi dans ma famille. Ah bon? Donc il y a eu plusieurs intervenants qui ont prévenu le juge des enfants, on est venu me chercher. C'est un autre sujet ou est-ce que c'est lié à votre consommation d'alcool? Ah non, ça n'a aucun rapport. C'est un autre sujet. L'alcool à 90, j'arrive pas à imaginer comment on peut picoler un truc pareil. Ça... Vous la diluez? Ah non. C'est non, pas non. Mode d'emploi que je vous demande. Ah non, du tout, non. Non, je veux dire, moi j'étais en manque et parfois il m'arrivait de ne pas avoir de fric et il me fallait quelque chose. Mais c'est imbuvable, non, j'imagine, ce truc-là. Ça fait mal sur la peau. Alors, Qu'on croit. Je veux dire, à la limite, moi, il me fallait quelque chose dans le corps pour me défoncer, je prenais n'importe quoi, même si c'était dégueulasse. Hein. Le vinaigre, c'est pas spécialement bon non plus. Non. Hein. Qu'est-ce que vous disiez? Vous allez dire quoi? Non, je dis ça affreux, quoi. Le vinaigre, autant. On a un peu autant mal. Autant l'alcool à 90, mais... vous comprenez, mais le vinaigre. Ouais, ok, autant se défoncer à l'alcool à 90, au moins. Couper avec de l'eau. Couper avec de l'eau, vous l'avez fait? Moi, je l'ai fait, oui, couper avec de l'eau. À 16 ans ou à 17 ans, vous buviez dans quelle quantité? Je sais pas, moi, je buvais jusqu'à ce que je me retrouve la gueule dans les chiottes. En train de vomir? Et je buvais... enfin, moi, j'ai eu un alcool très, très exubérant, en fait. Je me cachais pas à mon début. Par contre, mes deux dernières années d'alcool, oui. Vous vous cachiez? Oui. De qui? De quoi? Je vivais avec un compagnon qui me connaissait pas beaucoup. Ça faisait un an et demi qu'on était ensemble et je voulais pas qu'il voie que je bois. Et il alors, pas j'attendais vu, qu'il cuvait pour aller boire. Ah, parce qu'il buvait aussi, alors? Oui. Quand on est femme, c'est pas facile à dire aux gens, bah voilà, on a un problème. C'est pas facile de boire en public non plus. Moi, au départ, quand je buvais en public, c'est parce que j'avais mes cousins avec moi. Évidemment, le fait d'avoir du monde, si on m'agressait, j'avais tout le temps quelqu'un pour me défendre. Or, arrivé à Paris, j'avais plus personne. Et... Puis je voulais pas que mon compagnon me lâche parce que j'avais un problème d'alcool. Qu'il sache que j'ai le même que lui, en fait. Pourtant, lui, il avait un problème d'alcool et il n'avait pas peur que, non, il avait pas peur que vous le lâchiez. Il s'en foutait. Je crois que c'était sa bouteille qui comptait. Sa nana, c'était... On a des histoires d'amour quand on est amoureux d'une bouteille d'alcool. On peut vivre vraiment une histoire d'amour? Ou est-ce que la bouteille, c'est un amour exclusif? Moi, je peux pas dire... je vais peut-être le vexer, mais je peux pas dire que je l'aimais réellement. Je crois que c'était la bouteille avant lui. Et je crois que ça a été pour tout comme ça. Les gens que j'aime énormément sont toujours passés après ma bouteille. Maintenant, c'est autre chose, mais... C'était la boisson tous les jours, tous les mais soirs? Mais ça me réveillait même la nuit, en plus. Ouais, c'est ça, le pire. D'accord. Je me réveillais la nuit pour aller boire. C'est pas terrible, hein. Mais vous avez une vie amoureuse, une vie sexuelle avec, pendant non. ce temps-là? Non. C'était le fait d'être ensemble. C'est pas terrible, hein. Franchement. Comment vous êtes tombé dans le coma? Ça s'est passé où moi, je l'ai carrément viré de chez moi en lui disant, toi, t'as un problème d'alcool, va en cure. Donc il est parti en cure et pendant ça je pouvais boire à mon aise. Il m'avait fait procuration sur son compte. Donc je suis allée me promener dans Paris, boire dans les grands bistrots parce que j'avais beaucoup d'argent. Je me suis fait virer d'un bistrot parce que j'étais trop bourrée. Je suis rentrée chez moi, je me suis finie. Je crois que j'ai fait quand même un bon geste dans mon alcool, c'est d'avoir donné les clés de chez moi à des petites gamines que je m'occupais, dont la mère était aussi dans l'alcool, mais le problème c'est qu'elle fermait la porte et elle restait dehors la nuit. Je leur avais filé les clés de chez moi et deux jours après, il y a la gamine de quoi, 15 ans qui est venue chez moi chercher des fringues parce qu'elle voulait aller en boîte. Heureusement que je lui ai donné les clés, elle m'a retrouvée, elle a appelé les pompiers. Quoi, ça faisait deux jours que vous étiez dans le coma? Deux jours dans le coma chez moi et deux jours à l'hôpital après. Comment vous définiriez l'état de manque dont on parle mal et peu? Définir l'état de manque... Vous avez connu l'état de manque? Ouais, bah oui, si j'ai bu de l'alcool à 90, c'est évidemment que j'étais en manque. Hein. C'était pas pour plaisir. Hein. Pas vraiment. Ce que je peux dire, l'état de manque que j'ai vécu, pas dans ma période d'alcoolisation, mais à partir du moment où j'ai posé mon verre, c'est l'état physique, moi. Je me retrouvais, pliée en deux, des sueurs. Je me couchais, mon lit était trempé parce que j'avais des tremblements, c'était affreux. Je pouvais pas tenir un verre dans la main. C'était vraiment l'horreur, quoi. Quand je me suis retrouvée dans un truc, à un moment, où je me suis retrouvée en état de manque et j'étais pas dans l'esprit d'arrêter de boire, le premier verre du matin, il fallait que je le boive à la paille. Je me le servais le soir avant et je le buvais à la paille le matin. Faut parce que je ne pouvais pas le prendre le verre. Ça, je m'en souviens très très bien. Est-ce qu'on peut parler de l'état de manque? Comment vous définiriez l'état de manque, Petit? L'état de manque... en fait, j'ai l'impression de n'avoir jamais été en manque parce que j'avais de l'alcool tous les jours. Je prenais de l'alcool tous les jours. Donc je n'ai connu, en fait, j'ai réalisé que j'étais alcoolique quand j'ai commencé à essayer d'arrêter de boire. Ça a été ça un peu mon parcours parce que pendant 10 ans, je crois que tous les jours, il y avait au moins un petit peu, même si c'était pas toujours, c'était pas forcément des cuites ou des choses comme ça, mais il y avait toujours un peu, au moins un litre minimum. Bah, quand vous avez essayé d'espacer les rendez-vous avec la boisson, vous avez senti quoi là? Des crampes, mal au ventre? Non, une obsession mentale. C'est là où j'ai réalisé que, en fait, j'avais une obsession mentale. Ça que quoi? Vous voyez des bouteilles partout? Je ne pensais qu'à cela. Ouais. Je ne pensais qu'à l'alcool.
C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que les trois premiers jours, j'étais un petit peu fébrile physiquement, c'est vrai. Mais je crois que ce qui me rendait fébrile, c'était de me dire peut-être que je ne pourrais plus jamais boire. Parce qu'en fait, je n'acceptais pas de me dire que l'alcool, ce n'était plus pour moi. Que je ne pourrais plus jamais boire normalement, en fait. C'est ça que je n'acceptais pas. Donc, en fait, j'avais cette fébrilité. Et ensuite, il y a eu cette obsession mentale, effectivement, qui a duré très longtemps. Ça veut dire qu'on n'en souffre pas tous ni toutes de la même manière, visiblement. Marie-Ange, vous avez souffert physiquement de l'alcool ? Oui, physiquement. Donc, ce qu'on appelle en cure, en post-cure, on appelait ça le crabe. Le crabe ? C'est-à-dire, imaginez les tentacules, là, dedans. Et c'est cette douleur. Pince, ah oui, c'est ça vous... Ah, ça une pieuvre vous êtes avec une pince de crabe. Oui, oui, tout à fait. Enfin, physiquement, ça a été ça. Vous êtes plié en deux parce que vous avez mal et le manque, quoi. Sigrid ? Le manque, hein, oui, j'ai connu le manque. Donc, c'est vrai qu'il y a un manque physique, des douleurs, des crampes, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est le mental, l'obsession, l'alcool. Marie-Thérèse ? L'état de manque, c'est aussi un état fébrile. J'avais les jambes qui tremblaient, que j'arrivais même pas quelquefois à monter. Enfin, je montais les escaliers, mais j'avais peur de monter les marches ou de descendre les marches. Que je demandais, même en voyage, ça m'arrivait de demander à mon mari, tiens-moi le bras parce que j'avais peur. J'avais peur de tomber dans les escaliers. Pourtant, j'avais pas bu ce jour-là, mais ça se manifestait comme ça. Et puis aussi, les tremblements, bien sûr. Vous avez réussi à vous arrêter du premier coup ? Non, j'ai arrêté une fois 6 mois et... juste pour une petite histoire complètement idiote, je me suis disputée avec ma sœur et j'ai repicolé. J'ai arrêté de boire parce que je savais que j'allais mourir. Et quand j'ai décidé, mais réellement décidé, dur comme fer d'arrêter, j'ai réussi, bien sûr. C'est il y a plus de 2 ans, donc ? Oui, et j'ai pas réussi toute seule. Hein. Vous avez quel âge ? 23 ans aujourd'hui. Ah ouais, vous êtes hyper jeune ! Bah oui. Et vous avez arrêté à l'âge de 21 ans ? Voilà, c'est ça. À l'âge de 21 ans. Au bout de combien de temps l'obsession d'alcool vous a... Est-ce que l'obsession d'alcool vous a quitté ? Aujourd'hui, oui, mais elle ne m'a pas quitté tout de suite après mon arrêt d'alcool. Hein. J'ai morflé les 6 premiers mois, hein, réellement. J'arrivais plus à passer devant les bars toute seule, de peur de rentrer. C'est très, très dur. Hein. Et ça vous accompagnait tout le temps, quoi. Aujourd'hui, il m'arrive de temps en temps, quand je ne vais pas très bien, quand j'ai décidé d'aller mal, évidemment, il m'arrive de me dire, oh, tiens, je m'en boirais bien une. Mais quand je sais que mon mental fonctionne comme ça, ça peut être très dangereux. Donc, bah, j'essaye d'aller mieux et pas y penser. Mais je n'ai pas retouché depuis, Dieu merci. Donnez la parole à Sophie qui a choisi de témoigner anonymement. Bonsoir Sophie, t'es avec nous ? Bonsoir Sophie. Bonsoir. Ça va ? Oui. Bon. Vous êtes actuellement malade alcoolique ? Oui. Depuis combien de temps ? Oulala. Oulala. Ah bon ? Ben oui, ah bon. Disons que j'ai essayé à plusieurs reprises de me soigner. Et toujours des rechutes. Hein. Donc je me pose des questions et j'ai... un petit peu peur pour les autres, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes dépendante à l'alcool ? Dépendante réellement, lorsque je m'en suis rendu compte, je pense que ça fait 4 ans. 4 ans et demi, ouais. Vous avez quel âge ? J'ai 35 ans. Qu'est-ce que ça vous apportait de boire de l'alcool ? Même seul, hein, je veux dire. C'était pour vous sentir bien ? C'était pour rigoler ? C'était pour quoi ? Pour oublier, comme on dit un peu crétinement ? Je pense que c'est vers l'âge de 16 ans, ça a été d'abord pour rigoler, hein, et ensuite, petit à petit, je ne me suis pas rendu compte, mais je me suis laissé avoir. Quoi. Et de quoi vous prive l'alcool aujourd'hui ? Comment ? De quoi vous prive l'alcool ? À l'inverse de ce qu'il a pu vous apporter dans le passé ? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire à cause de l'alcool ? Bah, j'ai encore la chance de pouvoir travailler. Il est vrai que lorsque je ne travaille pas, je peux rester 5 jours sans me laver. Je crois que ça a été dit. 5 ou 6 jours même. Je ne vais plus faire les courses. Je fais plus rien, quoi. J'ai plus envie de rien. Donc, je suis complètement anéantie. Ce que je veux, c'est ma couette, mon matelas, et voilà. C'est-à-dire que vous travaillez pendant la journée et donc vous buvez que le soir ou vous buvez également pendant la journée ? Actuellement, je dirais que il y a tendance, puisque on a parlé des tremblements tout à l'heure, tendance d'avoir besoin d'une bière, tout simplement, enfin. Le matin ? Une bière. Le matin ? Ouais. Pour calmer les tremblements ? Voilà. Et après, vous tenez la journée jusqu'au soir ? Non. Non. Pas actuellement, non. Non. C'est vrai que je suis restée abstinente 6 mois.
lors de ma première cure. Et ensuite, c'est rechute. Ça a été rechute sur rechute. Je ne pense pas avoir été, je tiens à le dire, avoir été, dirigée vers les centres qu'il fallait, quoi. Je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique et là, ça a été réellement une horreur, quoi. Ouais. Vous buvez en ce moment, par exemple? Bien sûr. Aujourd'hui? Oui. Vous avez bu quoi aujourd'hui? Enfin, dans quelle quantité, je veux dire, quoi? En quantité, je me suis calmée un peu aujourd'hui parce que je savais que je venais, donc j'ai pas bu autant que d'habitude, mais hier. Il m'arrive, et je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit assez clairement, de boire deux bouteilles de whisky, le Ricard peut-être pas deux bouteilles de Ricard, mais au moins deux bouteilles de whisky, plus de la bière, oui. Oui. Vous arrivez à faire comprendre que c'est une maladie autour de vous? Non. Vos parents, vos amis, ceux qui savent que... Non. Non. Ils pensent... Qu'est-ce qu'ils vous disent? Au départ, ça a été le vice, la volonté. Manque de volonté, ouais. Oui, c'est cela, ouais. Puis maintenant, c'est plus ou moins la désespérance, quoi. Oui, ils disent plus rien parce que, non, ils m'enlèvent tout. Voilà. Vous avez l'intention d'essayer de vous sevrer à nouveau, de refaire des cures? Enfin, je sais pas, c'est difficile. Non, pas pour l'instant. Vous avez l'impression que c'est trop dur de ne pas pouvoir y arriver? Non, c'est pas cela. C'est ce que j'ai vécu dans les sevrages et dans les cures que j'ai faites. Il y a eu un petit problème, c'est qu'on se retrouve entre alcooliques, hein, sevrés, et qu'on s'éclate. Hein. C'est vrai qu'on rigole. On rit, on est super, super content d'être ensemble. Et lorsqu'on sort, malheureusement... On est super malheureux d'être tout seul, quoi. Ouais, tout seul. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous entendez maintenant, vous qui en êtes sorties, toutes? C'est très bon signe, la rechute. Parce que c'est très bon signe. Ah bon? Tant pis si c'est 6 mois, tant pis si c'est que 3 mois. Qui dit rechute dit, on a gagné dans le temps. Parce qu'on travaille en même temps, même si on est tout le temps en état second. Entre deux verres, on arrive à réfléchir quand même. Hein. On n'est pas. Oui, oui, on Sophie, pas si... visiblement, vous réfléchissez là. Oui, oui. Je vous entends réfléchir, Sophie. Sophie? Oui, je réfléchis. C'est on vrai. Vous entendez bien, hein. Qui dit rechute, effectivement, pas pour tout le monde, je crois pas, mais moi qui suis relativement jeune, je dirais dans l'alcoolisme quelque part, j'ai vu sur des associations, enfin. À laquelle je me suis rendue, des gens qui avaient de 28 à 32 ans d'abstinence. Et ces gens-là ne font pas de quartier, quoi. C'est, c'est où tu marches ou tu crèves. Hein. Enfin, je ne sais pas tellement comment le définir. Je sais pas trop de temps. Ou tu t'arrêtes ou tu dégages, quoi. Voilà, c'est cela, ouais. C'est comme... Et ça, c'est très, très dur, quoi. Mmh. Très, très dur parce que... Est-ce que Marie-Ange disait, par exemple, est-ce que ça vous fait réagir le fait qu'elle dise que c'est la rechute, en fait, qui veut dire que si on fait plusieurs rechutes, ça veut dire qu'on s'est arrêté plusieurs fois. Ce qui est votre cas, parce que vous avez fait plusieurs cures, hein, Sophie. Oui. Marie-Ange disait que c'était du temps que vous avez gagné. À chaque fois que vous vous êtes arrêté, vous avez quand même gagné quelque chose. Vous le ressentez comme ça aussi ou pas? Est-ce qu'on peut le ressentir quand on est encore dépendant de l'alcool? Oui, j'ai le sentiment... C'est pas très, très très bien à dire, mais en étant alcoolique, j'ai le sentiment d'avoir acquéri une certaine intelligence et un certain état d'esprit qui est plus poussé que les autres, oui. Je ne sais pas ce que voulait dire Marie-Ange, mais enfin, c'est quand même une question intéressante. Mais ça peut être ça. Ça peut être ça? Oui, parce qu'on se découvre toujours, mettons qu'il y ait une période à jeun d'une semaine, mais on va retrouver nos valeurs, nos qualités. Tant pis si c'est l'espace de 48 heures ou d'une semaine, mais c'est... Exactement. Bon, et puis tant pis, c'est elle qui est plus forte, c'est l'alcool qui est plus forte, tant pis, on retombe. Mais à chaque fois, c'est un travail qui est fait. On s'éclaire un peu et plus, on avance, quoi. Ça, oui, oui. Ça, moi, j'en suis convaincue. Ça vous fait quoi, Sigrid, d'entendre quelqu'un qui est encore dans l'alcool, en parler avec beaucoup de lucidité, comme c'est le cas de Sophie ce soir, alors que vous êtes en train d'en sortir? Moi, je trouve ça formidable, mais c'est vrai qu'elle parlait de rechute. Moi, les rechutes, ça m'a jamais apporté quoi que ce soit, ça m'a jamais libérée. Ça fait sens contraire, ça a été de plus en plus pénible, je me suis enfoncée de plus en plus et j'ai souffert de plus en plus. Voilà, on ne vivait pas toutes de la même manière. Si je peux me permettre... Permettez-vous.
après. Et ce que je vais faire passer comme message, c'est... s'il vous plaît, aidez-nous, quoi. S'il y a des gens qui... Je sais que c'est pas facile. Je connais les médecins, alcoologues et les médecins psychiatres. Effectivement, il y a tout un boulot à faire derrière. Mais essayez de nous aider d'une autre façon. Je sais pas comment dire ça. Je vous remercie, Sophie. On va voir avec un alcoologue quels sont les signes ou les petits signes que notre corps nous envoie pour essayer de détecter les moments où on a un problème d'alcool, comme on dit. Merci encore, mademoiselle. De rien. Merci. On peut remercier si vous voulez bien. Merci beaucoup. Je pense qu'en parler, c'est déjà faire un pas en avant. Je demandais à monsieur Archambault de venir nous rejoindre. Monsieur Archambault, s'il vous plaît. Qui est psychiatre. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, asseyez-vous, je vous en prie. Chef de service au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois, vous dirigez une unité d'alcoologie. Peut-être une réaction à ce que vous avez entendu depuis le début de l'émission, le témoignage de Sophie en particulier. Oui, ce que j'ai entendu sont des témoignages de femmes malades de l'alcool que j'ai trouvé à la fois touchants, courageux, et qui, dans la manière dont ces femmes réussissaient à parler de leur maladie, finalement nous apprenaient plein de choses et permettaient de comprendre que, justement, la maladie de l'alcool, c'est pas comme on le croit souvent, un espèce de vice. On a tous plus ou moins ça, quelque part. C'est ancré dans le... Oui, une faiblesse, même. Oui, on n'arrive pas à se maîtriser. Une faiblesse, et que finalement, c'est une honte. Et que, ben non, c'est une souffrance, et que c'est une relation qui se crée avec l'alcool, l'alcool qui donne le sentiment que la dépression, que l'anxiété, que le sentiment de malaise qu'on a en soi, que cette crainte éventuellement du regard des autres, tout ça, ça va se dissiper avec l'alcool. Et que finalement, c'est un effet tout à fait paradoxal, c'est que ça ne se dissipe pas si au début ça se dissipe. On a le sentiment, tout à l'heure ça a été dit, qu'au début ça amenait une euphorie, un sentiment de mieux-être. Ça a duré 6 ans pour vous quand même, hein, donc c'est un début qui peut durer longtemps. Voilà, quand même, oui, c'est variable suivant. Chacun son seuil. Tout à fait, suivant. On n'est pas à égalité devant l'alcool, quoi. Suivant chaque personne, et que vient le moment où il y a un basculement qui fait que, à un moment donné, l'alcool devient un élément tout à fait indispensable, devient tellement important qu'il y a la hantise du manque, et vous avez très bien souligné tout à l'heure cette notion de manque. Est-ce que vous qui êtes alcoologue, qui connaissez exactement les effets de l'alcool et ses dangers, est-ce que vous buvez, par exemple? Moi, je prends de l'alcool, oui. Ouais. Vous vous surveillez ou vous connaissez les limites et Il se trouve que j'ai pas de difficulté pour gérer ma consommation. Parce que une des difficultés des alcooliques, une impossibilité, c'est de pouvoir réguler. C'est la loi du tout ou rien. C'est soit pas d'alcool, comme au moment des cures, ou alors c'est soit de l'alcool et beaucoup. C'est-à-dire qu'un verre, on en entraîne un autre, et qu'il y a l'impossibilité de pouvoir s'arrêter, comme une espèce de machine qui, malgré soi, entraîne la personne, une espèce de fascination, d'aimantation, et puis le régulateur au milieu, il ne fonctionne pas. Je veux qu'on parle de l'alcool au féminin spécifiquement. Quelles sont ses spécificités comparées à l'alcool masculin, en termes de quantité, en termes de lieu et d'habitude de consommation? Il y a une évolution ces 20-30 dernières années. Il y a 30 ans, pour prendre un repère chronologique, il y avait une femme en problème avec l'alcool pour 12 hommes. Et puis maintenant, la proportion a changé, c'est une femme pour 4 hommes. C'est-à-dire qu'on peut dire, il n'y a pas finalement de statistiques très précises, épidémiologiques, enfin d'études très précises sur les femmes, curieusement, sur les hommes c'est plus, qui montrent qu'en France, il y a, disons, à peu près 1 million de femmes qui sont en problème avec l'alcool. Pour 4 millions d'hommes, alors, si je vous suis. Mais pour 4 millions d'hommes, et que parmi ces 1 million de femmes, il y en a 500 000 qui sont dans une très très grande dépendance psychologique et physique par rapport à l'alcool. Les femmes boivent en cachette beaucoup plus que les hommes? Oh oui, parce que... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui boivent pas en cachette. Hein. Oui, oui, bien sûr, il y a des hommes qui boivent en cachette. Mais l'alcoolisme, la prise d'alcool chez l'homme et l'alcoolisme est considéré comme une certaine fierté. À partir du moment où on boit beaucoup, on est un mec, comme on dit. Enfin, il y a encore ça. Bien sûr, c'est désuet, mais il y a encore quand même cette image-là. Tandis que pour la femme, quand on reprend tous les textes anciens de ces derniers siècles, et on s'aperçoit que les choses ont fort peu changé, il y a une notion de honte. Tout à l'heure, le mot de pute a été prononcé. Le mot de finalement... C'est inadmissible.
c'est inadmissible d'admettre qu'une femme qui potentiellement est une mère a ce type de problème. C'est inadmissible, on le croit, mais il serait peut-être temps d'arriver à comprendre de quoi il s'agit. À quel signe, à quel comportement on doit commencer à s'inquiéter pour soi-même? Pour soi-même, eh bien, quand on commence à se rendre compte que sa relation, sa manière de boire est différente. Avant, on prend de l'alcool parce que ça permet d'être avec les autres, et un certain nombre de femmes prennent de l'alcool maintenant dans une optique de convivialité. Mais c'est à partir du moment où on sent que, de manière un peu trop fréquente, on prend de l'alcool quand on a un souci. Et puis on s'aperçoit que le lendemain, on a un autre souci, on a aussi tendance à prendre de l'alcool, parce que finalement, à ce moment-là, on a l'impression que ça va mieux. Quand aussi, et ça c'est un signe vraiment majeur, quand on commence à se rendre compte qu'à un moment donné, quand on prend un verre, c'est comme si un verre entraînait un autre, alors là, je crois que c'est un signe qui doit amener à se dire « Attention, là, ma manière de boire est en train de changer, est en train de passer du normal. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas boire un seul verre, ou deux verres, ou trois verres ? Ça commence, le phénomène d'enclenchement, de loi de tout ou rien, de fascination, commence, et je dirais presque d'appel physique, qui devient, et l'alcool devient incontrôlable à ce moment-là. Ça commence et ça continue jusqu'au fond de la bouteille. Merci Jean-Claude. Vous êtes Cathy, vous, en écoutant tout ça ? Tout ça, tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'était impossible de ne pas terminer une bouteille. Une fois que je l'avais ouverte, je me disais au départ, je vais prendre un verre ou deux, et en fait, c'était impossible. Si elle est ouverte... Absolument. Ça me fait la même chose avec les gâteaux au chocolat, moi. Mais ça pourrait être pire. Hein. C'était de l'alcoolisme mondain ou de l'alcoolisme professionnel que vous aviez ? Parce que c'était un petit peu... Je peux dire votre profession ? Si vous voulez. Non, si vous voulez. Oui. D'accord, merci. Vous êtes avocate, vous avez des clients, différents clients, et il se trouve que dans les déjeuners d'affaires, vous buviez avec eux. Oui. C'était même presque, pas une source de fierté, mais en tout cas, eux, vous vous considérez comme étant des leurs, quoi, si je peux dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, on me disait, tu bois comme un homme. C'était une valeur, et pour moi, c'était devenu une valeur de savoir boire, justement. Et vous buviez beaucoup dans ces déjeuners, ou vous restiez 4 heures à table? Oui. C'est-à-dire qu'on commençait par l'apéritif, kir champagne, le vin blanc, le vin rouge et les digestifs, à n'en plus finir. Et effectivement, ça pouvait durer jusqu'à 16-17 heures, un déjeuner. Combien de digestifs, par exemple? Une dizaine. Une dizaine? Après avoir bu tout ça, et après ça, qu'est-ce que vous faisiez? Vous tombiez ou... Non, pas du tout. Non, j'étais très bien. Et en fait, la seule chose, c'est que en fait, les personnes, je dirais qu'ils ne sont pas alcooliques, peuvent peut-être boire beaucoup, mais ensuite peuvent s'arrêter quand même et éventuellement, je ne sais pas, retourner travailler, par exemple. En ce qui me concerne, c'était impossible. C'est-à-dire que je ne pouvais plus continuer ma journée comme j'avais projeté de le faire. C'est-à-dire que je quittais, par exemple, ses clients ou des relations professionnelles et j'allais dans un café. Je continuais, si vous voulez. Et je continuais jusqu'à 10h, 11h le soir. C'est-à-dire que vous arrêtez de bosser, quoi? Complètement, oui. Vous complètement. Avez déjà plaidé en ayant bu? Non, jamais. Non. Jamais. Non, non. Non, non. Non. Vous pouviez travailler quand même en ayant bu un peu, hein, ou un peu bu ou... Ben oui, c'est très curieux parce qu'en fait, j'ai l'impression que pendant très très longtemps, l'alcool a été comme un moteur pour moi. Ça a été quelque chose comme un dopant. Et au contraire, j'avais beaucoup d'énergie pour travailler, pour faire plein de choses, pour faire la fête et travailler en même temps. J'ai envie de travailler. Et envie de travailler. Mais petit à petit, effectivement, les choses se sont dégradées. Et comment vous avez pris conscience que vous étiez malade, que vous aviez un problème d'alcool, puis ensuite que vous étiez malade alcoolique? Ça a été très difficile. En fait, tant que je buvais, je ne me rendais compte vraiment de rien. J'ai toujours eu l'impression de gérer et d'être libre, en fait. C'est très, très curieux. Je crois que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui m'est arrivé, en fait. J'ai l'impression que j'ai été piégée par ce produit. Parce que je tenais très, très bien pendant très longtemps. Ça a été merveilleux. Et un jour, j'ai commencé à boire seule. Et là, je crois qu'à ce moment-là, l'alcool pour moi est devenu une drogue et je suis tombée en dépendance. Et ensuite, je n'ai plus rien vu. Je ne pensais plus qu'à ça. Mais je ne m'en rendais pas compte. En fait, et comment vient la prise de conscience? C'est par flash comme ça? Ou est-ce que c'est une prise de conscience par escalier? Ou est-ce que c'est d'un coup d'un seul? Pour moi, ça a été en fait un soir de me dire je ne suis plus rien. Voilà. Vous n'êtes plus rien? Je ne suis plus rien. Il faut que je fasse quelque chose. Et en fait... Vous dites oui, Christelle? Vous avez ce sentiment-là? Oui, je ne suis plus rien. Un peu, j'ai perdu mon âme, si vous voulez. Voilà, je n'existe plus. C'est terminé. Je crois que c'est l'âme. C'est l'âme, oui, tout à fait. Pour moi, c'est ça. Je n'étais plus rien. Et en fait, là, je me... Et c'est très curieux parce que même à cette période-là, quand je disais je ne suis plus rien, j'étais toujours en train de me poser la question pourquoi je n'avais plus l'alcool heureux, en fait.
Et je croyais que le problème se situait entre le quatrième et le cinquième verre. Ouais. Vous voyez, j'avais rien compris au film, rien du tout. Ouais. Donc je me concentrais... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont rien compris au film. Voilà, je me concentrais sur ce qui se passait entre le quatrième et le cinquième. Vous voyez, donc je faisais des analyses. Non mais c'est vraiment, je crois que c'est de la vraie folie. Hein, et prendre conscience qu'on n'est plus soi-même, qu'on est en train de perdre un peu son âme, est-ce que c'est pour autant l'admettre? Non, pas du tout. Enfin, pas pour moi en tout cas, pas du tout. Ah, non. J'ai pris conscience, mais à ce moment-là, je cherchais encore un truc pour retrouver l'alcool heureux. Jusqu'à 4 verres, quoi, par exemple. Hein. Par exemple. Vous avez un métier qui demande beaucoup de lucidité. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes fait choper la main dans le sac par un de vos clients ou par un de vos collaborateurs qui voyait que vous aviez bu plus qu'à votre tour, comme on dit? Peut-être, mais on ne m'a jamais fait d'observation. Vous avez raté des rendez-vous? Ça m'est arrivé deux fois. Mais ça s'est arrangé. Deux fois, c'est pas énorme, c'est hein, pas vu énorme les quantités du tout que vous avez ingurgitées. Non, mais vous savez... Vous avez une vie de couple pendant ce temps-là? Oui, enfin, j'avais une vie de couple, je vivais avec quelqu'un qui m'a connue avant que j'ai un problème d'alcool et qui, en fait, m'a connue pendant. Et voilà, il y avait trois femmes, en fait, avec moi, donc c'est assez... Mais c'est vrai que lui non plus ne s'est rendu compte de rien, parce que ça s'est fait très, très progressivement, en fait. J'ai l'impression que l'alcool s'est infiltré... De rien pendant 10 ans? Il s'est rendu compte de rien pendant 10 ans? Ah si, mais pas pendant, je ne sais pas, pendant les 6 premières années. Non, il ne s'est pas posé de questions parce que ça s'est fait très très lentement en fait, très progressivement, jour après jour. Quelles sont-elles les conséquences sur votre vie de couple de cet alcoolisme, puisque vous l'appelez comme ça, vous appelez les choses par leur nom? Je crois que je suis devenue complètement paranoïaque, c'est-à-dire qu'en fait, quand mon ami s'est rendu compte que je ne buvais plus normalement et qu'il y avait vraiment un problème, il a essayé de m'aider à boire moins. Parce que lui non plus ne savait pas que le seul remède était l'abstinence, en fait. Donc il a essayé beaucoup de choses pour m'aider. Et en fait, tout ce qu'il faisait était considéré par moi comme très, très maladroit. Ça a essayé de vous, quoi, de vous faire baisser vos doses, de oui, vous cacher l'alcool? Oui, il m'a acheté des petites bouteilles en me disant, bon, bah, si elle attend à la maison, elle n'ira pas boire dehors. Parce qu'en fait, je sortais. Comme il m'empêchait de boire, je sortais. En claquant la porte? Non, pas forcément, mais je sortais boire dehors. Oui. C'était intolérable pour moi qu'on puisse vouloir m'empêcher de boire. Intolérable. Et l'amour est revenu après le sevrage uniquement? En fait, il était toujours là, mais c'est moi qui devenais complètement cinglée, c'est clair, c'est clair. En fait, à la fin de ces 10 ans d'alcoolisme, je crois que... En fait, il me restait deux choses dans ma vie. Hein. Il me restait mon travail, et je travaillais de moins en moins, et ma bouteille, c'est tout. Tout le reste avait disparu de ma vie. Et je crois que, en fait... Un peu de sommeil et un peu de café, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est quand même... Pour moi, ça a été un constat de déchéance totale, parce qu'en fait, je me rends compte qu'à 6 mois près, franchement, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que l'alcool. Et c'est ça qui est pour moi le plus dur aujourd'hui à accepter. En fait. Jean-Claude, il y a combien de femmes qui meurent chaque année comme on dit, des suites du sida, des suites de l'alcool? Il y a plusieurs milliers de femmes qui meurent de complications de l'alcool, de manière diverse d'ailleurs, soit des complications directes, qui sont dues à des altérations physiques. Donc le foie, enfin quelques organes vitaux. Le foie, des organes vitaux, soit aussi par des tentatives de suicide. Hein, car il y a un certain nombre de femmes qui, lors de consommation massive d'alcool, prennent en même temps des tranquillisants. C'était et là, il y a des risques. Tout à l'heure, il a été question de 4 jours de coma, si j'ai bien entendu. C'est et ça. C'est un risque. Vous prenez des médicaments? Vous avez parlé de médicaments qui sont pas des je ne sais pas citer de marque. Vous prenez des médicaments aussi? Je n'ai jamais pris de médicaments. Non, j'ai pris. Non, non. Marion, vous aussi? Nelly, des médicaments, vous en prenez aussi? Avec l'alcool? Oui. En même temps, je veux dire, pas seulement pour compenser? Quand j'ai rechuté, oui. Ouais. Vous avez non, pris des médicaments? Pas de médicaments. J'ai fait des tentatives de suicide, dont une défenestration. Vous êtes jetée par la fenêtre? Oui. J'ai été rattrapée par des gendarmes. Eh bien. On parlait d'amour il y a un instant, Serge. Est-ce que vous vous sentiez aimé par votre femme qui était à vos côtés quand elle était dans ce qu'on pourrait appeler son brouillard alcoolique? Non. Non. Puis j'espère la retrouver parce qu'il faudra le temps que ça revienne. Mais je l'aime. Ça, c'est important. Vous avez l'impression de l'aimer, Marie-Thérèse? Moi, oui. Bien sûr. Est-ce qu'à un moment, vous avez l'impression de ne plus l'aimer? Non, c'était pas ça, non. Non, j'avais l'impression d'être seule, d'être abandonnée. C'est pour ça que j'ai bu, d'ailleurs. Je ne travaillais pas. Et les enfants ont grandi, et puis je me suis retrouvée toute seule. Et sans affection, j'ai jamais eu d'affection de ma famille depuis que j'étais petite. Et puis je me suis retrouvée comme ça. J'ai l'impression aussi que mon mari me délaissait un petit peu, parce qu'il avait un métier où au départ, il partait souvent. Et puis je m'ennuyais.
Mon mari ne l'a pas vu, c'est le docteur qui lui a dit. C'est le docteur qui vous l'a dit ? Oui. Ah, moi, je ne voyais rien. Tout simplement, aujourd'hui, avec le recul, ce que je peux dire, c'est qu'on n'est jamais assez à l'écoute des gens avec qui on vit. Oui. Je n'avais pas l'impression d'être écoutée. J'ai voulu me confier, même à ma famille, mais on m'envoyait promener sur les roses et puis en me disant, bon, bah, tu as tout ce qu'il faut. Comment on peut, non, je n'ai pas pu en parler. Comment on ne peut pas voir des bouteilles qui sont cachées ou mais comment non, mais il n'y avait pas, au début, il n'y avait pas toutes ces bouteilles cachées. Ah oui. Au début, il y avait mais quelquefois, c'est mal caché. J'ai pas vu au début. Je trouvais que mon épouse était fatiguée. Moi, je venais d'avoir 3 enfants. On se disait, maman est fatiguée. Ou tu sais, ton épouse est fatiguée. Bon, bah, elle est fatiguée, oui. On disait, tiens, ça serait peut-être bien de voir un médecin. Bah, je voulais pas tellement voir un médecin. Puis ça s'est enchaîné comme ça, jusqu'au jour où un de mes amis me dit, tu sais, Thérèse boit. C'est pas vrai. Puis, je ne lui en veux pas de ce qu'il m'a dit ce jour-là. Il m'a dit, tu sais, tu vas lutter contre un mur. Moi, je serais de 3. Je la quitterai, quoi. Il vaut mieux la quitter. Bon, j'ai claqué la porte. Je ne lui en veux pas parce que c'était peut-être le conseil de quelqu'un qui avait de l'amitié. En plus, c'était un médecin et un psychiatre. C'est passé, j'ai oublié ça, je dis, c'est terminé. Et puis 2-3 mois ou 4 mois après, en allant voir mon généraliste, parce que je commençais à me faire beaucoup de soucis et que j'étais passé au bêta-bloquant, trop tôt. Il me dit, ah ben j'ai aussi les analyses de sang de votre femme, c'est quand même, c'est triste. C'est triste ? C'est triste, oui, il faut faire quelque chose. Quelles analyses ? Quel problème ? Et il m'a annoncé que mon épouse avait une forme d'alcoolisme. Puis j'en avais pas parlé. J'ai gardé ça pour moi peut-être un mois ou deux, puis j'ai commencé à en parler à mes enfants en disant, je peux plus. Je peux plus, il y a quelque chose de terrible. Puis les enfants et moi, on a gardé ça entre nous. Et puis on a commencé à s'apercevoir, et j'ai eu tort, je regrette, c'est de lui dire un jour que je savais. J'ai déclenché oui, les parce choses. Que j'ai eu l'impression que le docteur m'avait trahi un peu. Voilà. J'ai dit, il aurait dû m'en parler avant. Il m'avait rien dit, il a dit ça. Et que ça a déclenché quoi ? J'ai pris ça pour une trahison. Ça a été très dur pour elle, en fait. C'est-à-dire qu'elle en voulait au médecin, elle m'en voulait de savoir. Vous avez l'impression qu'il y avait un complot autour de vous, quoi. Ah, voilà. Peut-être, je sais pas. Les enfants ont compris. J'ai eu l'impression que le docteur m'avait trahi, carrément. D'ailleurs, je... Allez, j'ai envie de dire que le reste est dans le reportage, même si, évidemment, une vie ne se résume pas en quelques minutes, heureusement. Marie-Thérèse, vous êtes donc malade alcoolique depuis une dizaine d'années, à peu près. Oui, vous avez suivi... Un peu plus, même. Vous avez 10-12. Oui. Vous avez suivi 3 cures. La dernière s'est terminée donc quelques jours avant les fêtes de fin d'année que vous avez passé donc, avec vos enfants et avec votre mari. Serge, vous avez bien sûr été... témoin au quotidien de l'alcoolisme de votre femme, avec la prise de conscience nuancée dont vous avez parlé. Vous en avez souffert, vous, mais également... les enfants. Les 3 enfants. Votre fille a l'air de vous en vouloir un peu plus que les 2 garçons. Exactement. On en parlera après le reportage. Hein. Nous sommes venus donc vous rencontrer à Metz quand Marie-Thérèse donc, sortait de cette cure. C'était juste avant le 31 décembre. Reportage de Jean-Baptiste Clavry, Ludovic Fortin et Miguel Gonan, qui a donc passé le 31 décembre avec nous. En votre compagnie à Metz. Voici son reportage. Vous avez une télé en fait. Bonjour Madame Danguin. Bonjour. Vous venez, c'est l'heure de notre petite réunion du lundi. D'accord. Marie-Thérèse est alcoolique depuis 10 ans. Elle vient de passer 2 semaines à l'hôpital de Metz. C'est sa 3e cure depuis 4 ans. Aujourd'hui, c'est la sortie, l'occasion d'un entretien avec l'assistante sociale. C'est tous les jours qu'il va falloir dire, ben, aujourd'hui, alors il y a un seul mouvement pour ne pas boire, c'est... Surtout, bon, maintenant, vous avez un tas de raisons. Il va y avoir les fêtes. Ça ne va pas être forcément facile. Non, ça va être dur. Hein? Quand je rentre, c'est un petit peu dur. Surtout ma fille, elle est encore un peu réticente. Les 2 garçons sont plus compréhensifs maintenant et plus doux. Tandis que ma fille, elle est dure déjà d'avance, ma fille. Mon mari, ça va. Maintenant, ça va. Il a compris, il m'aide maintenant. Mais au départ, bon, quand il a su, il y a un mauvais passage. Ça y est ? Oui. Je te croyais parti, moi je suis arrivé ici, il n'y avait personne. Hein ? Il n'y a plus de télévision, il n'y a plus. Enfin, heureusement qu'il y a des bagages. Bah ça, tu fais pour aller porter. Tu t'es fait belle ce matin ? Oui. Ah bah c'est bien. Il y a même du soleil. J'arrivais à faire la différence entre Marie-Thérèse, que je connais, qui est une femme formidable,
formidable, intelligente, bosseuse, qui s'est donné beaucoup pour les autres. Et puis, l'alcool fait naître ensuite une deuxième personne. Puis même si je te choque, cette deuxième personne, je te le dis, c'est un monstre. Un monstre, c'est terrible. Alors, on a plus envie de la voir, cette... Puis toi non plus. Puis de toute façon, c'est pas toi, c'est l'autre. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Allez, c'est le départ. On a eu peur, comme très peur de te perdre, quoi. Que tu ne reviennes plus à la normalité. On a eu peur des chutes qui nous ont vraiment effrayés. Tu sais que tu aurais pu te tuer, hein, quand même, plusieurs fois. Très mal. Hein. J'avais un copain médecin, hein. On était très proches. Un jour, je lui ai parlé de ça. J'ai dit, Thérèse, va pas bien, tout ça. Il m'a dit, ta femme boit. C'est pas vrai. Si, si, elle boit, puis elle boit des... J'ai pas voulu croire. On a commencé à avoir des traces de bouteilles. Jamais devant nous, hein. Jamais, jamais. Tout était caché, et puis on s'en aperçoit, puis à un moment, on s'en fiche. On regarde si elle est pas morte. On la soulève, on la met dans un lit, et à ce moment-là, et puis... Puis à un moment, inconsciemment, et ben, vous avez envie de lutter, ça reprend, et puis à ce moment-là, ben, de nouveau, vous allez repartir à téléphoner, à essayer de trouver un médecin, à essayer de trouver un hôpital, et puis voilà, puis on repart à la bagarre. Comment vous faisiez pour cacher ici de l'alcool? C'était pas difficile. Bon, quelquefois, je mettais là-dedans. Ça se voyait, mais personne qui le voyait. Pourtant, c'était visible. Parce que c'était pas le planqué. Mais comment on peut cacher ça à trois enfants et un mari? Parce qu'on regardait pas dans le placard. Je ne regardais pas dans le placard et puis c'est tout. Ben alors je mettais à la cave. Ou bien derrière le divan. En haut du meuble. Bien en haut du meuble, oui. Ouais. Il y a eu des moments de colère où on frise pas la violence, non, mais la colère. De trouver une épouse qui délire dans tous les sens, qui se met à crier, à hurler. Moi, j'ai fichu des claques, ça m'est arrivé. On se sauve, on fout le camp, on quitte la maison. Moi, je sais pas si elle le sait, mais pendant 2 heures, hein, ça se passait l'après-midi, j'ai réfléchi, j'étais à deux doigts de me tuer, quoi, c'est tout. J'étais prêt. Puis c'est le regard de mon chien qui m'a rappelé à moi, mais j'y allais directement. Nous sommes le 31 décembre. Avant les préparatifs du réveillon, Marie-Thérèse revient à l'hôpital pour un entretien avec le médecin qui l'a suivi pendant sa cure. Madame Langa, bonjour. Venez. Comment ça va? Oui? C'est vrai? Bon, donc ça fait 10 jours que vous êtes sorti de l'hôpital. Donc, point de vue dépression, anxiété, peur de rechuter. Ben, je vous dirais franchement que j'ai eu une faiblesse cette semaine. Oui? Oui, je vous le dis. Faut être franche, c'est-à-dire... de toute façon. J'ai bu du vin blanc. Peut-être que j'étais un peu énervée, oui, je sais pas. Votre mari est au courant de la rechute? Oui, mon mari est au courant. Oui. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il en pense? Il a dit que c'était pas tellement bien, mais enfin, il a dit, bon, ça arrive, bien sûr. Ouais. Enfin, il est au courant. C'est peut-être aussi inconsciemment un test que vous avez fait vis-à-vis de l'alcool. Ah, est-ce que ça me plaît toujours autant de boire? Est-ce que je suis toujours aussi plaisir. Contente de boire? Non, j'ai pas bu avec plaisir, ouais. Non, pas du tout. Voilà. J'ai bu parce que je l'ai bu, puis c'est tout. Mais pas... Ah ouais, pas avec oui. Plaisir. Il y a la honte au départ qui s'installe. Hein. Ça, c'est une maladie en fait, qui est qualifiée de honteuse pour la population. Donc. C'était pas évident à gérer, en fait. Quoi. Au départ, j'essayais de la secouer. Je la prenais carrément. Je disais, mais réveille-toi, faut que tu bouges, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu arrêtes. Bon, je
m'énervais, quoi. Quand je trouvais que, quand je voyais, je trouvais une bouteille de vin, un truc comme ça, je m'énervais, je gueulais, mais bon. On se rend vite compte que ça sert à rien, quoi. Puis après, bon, on essaye de comprendre les choses. Alors, quand t'as l'abus, on peut rien faire, mais c'est en fait, c'est souvent le lendemain matin ou... C'est surtout dans les moments où je me retrouve tout seul avec. C'est là que j'arrive à discuter. Je perds du tout de confiance. Je fais plus confiance. Elle a... Je veux dire, elle promet, elle a fait beaucoup de bêtises et... Moi, ça reviendra peut-être un jour, j'espère, mais... Pour l'instant, elle a perdu ma confiance. Je fais pas confiance. Je crois qu'elle a fait trop de mal. J'arrive plus à... Mais si elle fait des preuves et qu'elle montre qu'on peut lui faire confiance, ça reviendra. Les réveillons et Noël de ces dernières années, j'en garde un très mauvais souvenir. C'est pour ça qu'on n'a plus trop envie de fêter les fêtes. Pour nous, les fêtes, c'est un jour normal. On a perdu un peu le goût, quoi. Le couple s'isole beaucoup dans ces moments-là, puisque, je dirais entre guillemets, il y a des comptes à régler, et puis il y a un côté insupportable des choses. Serge supporte très mal les réflexions de Marie-Thérèse, et à ce moment-là, ça dégénère très vite, et ça explose, et... Pour moi, c'est très dur à vivre, ce genre de choses. Il a beaucoup d'amour pour Marie-Thérèse, donc il essaye de faire tout ce qu'il peut. Il met toute son énergie là-dedans et... Ça sent l'effet, oui. Oui, oui. On se cache rien. Mais heureusement qu'il est là, de toute façon, pour avoir une personne avec qui dialoguer. Allez. Allez. Serge, il y a de l'alcool ce soir au repas ? Il y a de l'alcool, oui. Il y a de l'alcool, il y a du sans-alcool. Marie-Thérèse y tient pour que ses convives et les personnes qu'elle aime bien puissent boire le verre de l'amitié convivialement. Et puis elle est honorée pour ça d'abord. Elle y tient beaucoup. Et puis bah, cette présence-là, c'est une présence d'un jour, d'un moment. Et puis voilà. Je la trouve géniale. Grande, grandiose. Heureuse. Ah oui. Ça se voit. Je crois que c'est le bon chemin. Ça va pas se faire tout seul, mais elle a trouvé la bonne route. Vous avez pris du plaisir en regardant ce reportage ? J'avais un beau sourire, donc vous avez pris du plaisir en regardant ce reportage ? Oui. Oui ? Oui. Y compris quand vous avez entendu vos enfants ? Oui. Oui, bon, ma fille, je sais, mais enfin, ça m'a fait mal, bien sûr. Ça... J'espère que ça s'arrangera. Vous n'avez pas vu en parler ensemble, toutes les deux, dans ce reportage ? Comment vous en parlez ensemble ? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre fille ? On n'en parle pas. Vous n'en parlez pas ? Alors comment vous savez qu'elle vous en veut ? Mais ça se voit, elle était agressive quelquefois, et bon, bah, si je lui dis quelque chose, elle se met tout de suite en colère, ou et alors, des petits trucs comme ça, mais c'est très, très important. Dans ce reportage, Serge, vous parlez des deux personnalités de Marie-Thérèse, ça c'est assez intéressant. On parlera aussi de savoir, pour essayer de comprendre pourquoi certains ont l'alcool gay, certains ont l'alcool triste, certains ont l'alcool agressif. Je ne parle pas de ceux qui boivent des quantités astronomiques, mais même chacun de nous, est-ce que ça révèle quelque chose de personnalité ou pas, j'en sais rien. En tout cas, comment vous observiez le basculement de personnalité chez votre épouse ? Ben, je l'ai observé avec le temps, mais quand on s'en est rendu compte et quand on a vu que la maladie gagnait énormément, je l'avoue, j'ai eu un moment de rejet de la personne. De toute façon, on est dépassé par les événements. Hein, il y a quelqu'un à la maison qui ne m'en veut pas, je l'ai dit, la deuxième personne, il y a un monstre. On vit avec un monstre chez soi, on vit avec quelqu'un qui nous agresse, qui tombe par terre. Vous savez, aujourd'hui, vous pourriez me mettre infirmier dans un hôpital, messieurs, je tiens le coup. Parce que la ramasser régulièrement par terre, le crâne fracassé, le sang, vivre ça jour et nuit, on devient fou. Et à un moment ou à un autre, on arrive à, bon, on s'habitue. Puis là, on va commencer à réagir. Alors c'est facile pour moi de réagir, je ne dis pas que tout le monde peut réagir. Parce que c'est là que, en fait, je me suis aperçu depuis 4-5 ans que je me suis marié pour le meilleur, mais le pire m'a fait aimer ma femme. Ça, vous ne l'aimiez pas avant ? Si, mais je l'aimais sans le voir. Mais c'est là qu'on voit, parce que tout le monde m'a dit, mais fous le camp, divorce. On me l'a dit aussi. En fait, vous avez tenu ensemble jusqu'à présent Ça va faire 30 ans. Je voudrais revenir sur ces doubles personnalités. Qu'est-ce que l'alcoolisme vous a appris sur vous-même ? Est-ce que vous avez appris des choses sur vous-même ? C'est que,
ce que ça m'a appris, ce que j'ai jamais pu dire, je n'ai jamais pu m'exprimer, si vous voulez, avec beaucoup de personnes, même avec mon mari au départ, bon ben, c'était difficile. Ça, c'est ce que l'alcool vous a apporté, quoi, ponctuellement, quoi. Oui, mais j'ai essayé, mais c'était pas une bonne solution. Vous avez appris des choses sur vous-même, sur les limites de votre, je sais pas, de vos comportements, sur des choses que vous ne voyez pas à l'intérieur de vous-même. Oui, par exemple, je fais de la poésie. Quelquefois, je faisais des beaux poèmes. Bon, mais c'était sous l'emprise de l'alcool. Ça arrivait. Donc c'est un monstre avec et une belle plume. Et quand j'avais pas bu, je pouvais pas en faire. Un monstre avec une belle plume, vous êtes bien d'accord? Ah ouais. Oui. Quand j'ai pas bu, vous pouvez pas en faire. Hein. Quelquefois, ah non, pas toujours. Et l'idée de monstre, par exemple, quand le mot est prononcé, vous le ressentez comment? C'est vrai que c'est vrai, ce qu'il dit, c'était, oui, c'était pour moi, j'étais un monstre, oui, ça c'est sûr. Vous avez vu un monstre dans le miroir? Oui. Vous l'avez déjà vu? Je me suis déjà regardé dans le miroir. J'ai déjà aussi vidé des bouteilles parce que je voulais pas les finir dans l'évier. J'en ai même caché mes mâles, comme je dis, dans le placard, pour qu'on les voit, mais ils ne voyaient pas. Mmh. Bon, quelquefois, elle est trouvée, comme mon fils l'a trouvée, mais je suis très heureuse parce que mon mari, je pensais qu'il allait me quitter, oui, justement. Mais, vous voyez, il est encore là, donc... Bon, bah, c'est très bien parce que je suis soutenue et pour moi, c'est bien. Pour parler du monstre, est-ce que vous avez déjà parlé de cet autre vous-même qui n'apparaîtrait que quand vous aviez bu, par exemple, Sigrid? Oui, parfois. Mes enfants, oui. Oui, monstre horrible. Je me suis vue aussi dans la glace, en tant que monstre, physiquement, mais moi-même, non, je ne me suis pas rendue compte, personnellement. C'est par rapport à mon entourage, par rapport à mes amis, par rapport à mes enfants, oui, mais moi-même... Vous disiez un peu le miroir, quand même. Donc. Le miroir, oui, c'était physique, hein. C'était physique, surtout. Oh, mais pour le reste, non. Je ne me rendais vraiment pas compte. Christelle, Cathy, Marie-Ange, Ellie, oui. Le monstre. Oui, et le fait de regarder dans la glace, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que mes deux dernières années d'alcool, donc là où j'étais vraiment fou, je ne pouvais plus me regarder dans la glace. Je ne pouvais plus. Alors moi, je me voyais avec des cornes, des machins. Ça, c'est des hallucinations, quoi. C'est des hallucinations. Non, c'était pas hallucinant dans le sens où je les voyais, mais je me voyais dans l'animal le plus méchant, je me voyais... C'est pas des prémices du délirium tremens, ça Non. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Enfin, c'est l'image que j'avais de moi, de quelqu'un de très méchant. C'était une image que je voyais, en fait. Et à certains moments, là, mes dernières années, je pouvais plus, hein, je pouvais plus. Hein. Vraiment. Hein. Avec le sentiment de faire du mal autour de vous? Faire du mal, oui, ça, j'en doute pas. Hein. J'ai fait énormément de mal autour de moi. Et le fait aussi que je commence à rougir. Avoir le teint de l'alcoolique, quoi. Vous l'avez plus, là. Non. Cathy, le monstre négro? Oui, bah déjà, physiquement, c'est vrai que, bon, les rougeurs... Hein, et puis, moi, je devenais violette, carrément. Donc, j'avais des plaques violettes, c'était très... Mais enfin, bon, je crois que pour les femmes, c'est quand même... L'avantage, c'est qu'on peut se maquiller. Donc, il y avait 3 couches de fond de teint le matin. Et puis... Puis les paupières qui commencent à tomber. Et surtout ce regard d'halluciné. Vraiment. Et dans le comportement? L'agressivité chez moi. Oui. Agressivité folle. Oui. Alors qu'en temps normal, je ne suis pas du tout agressive. Il n'y a pas l'air. Non, pas du tout. Marie-Ange? Oui, agressivité, oui. Et le miroir, pas tellement... je ne sais pas s'il ne faut pas oublier. Moi, le miroir, c'était mal aimé. Mmh. Et il me manquait l'essentiel, il me manquait l'amour. Donc, quand je regardais le miroir, c'est ce que j'avais comme... Comme une phrase forte, quoi. Les enfants, à propos de votre maman, vous avez l'impression de voir un monstre parfois? Ah ouais. Ah oui. Un monstre terrible, même. Terrible, hallucinant. Hein. Des fois, elle venait me chercher à l'école. Je voyais déjà que dans la voiture, elle avait des yeux bien allumés, que j'avais peur d'entrer chez moi pour me faire tabasser, quand même. Oh, mais j'avais très peur. On pleure pas, pas que ça remonte tout ça. Pleure pas, c'est bon. Ça va? Donnez un petit verre d'eau, pensant, j'ai posé 2-3 questions. Ça fait du bien, respire. Qu'est-ce qui donne un verre d'eau, Valérie? Oui, docteur, je disais, pourquoi est-ce que certains ont l'alcool gay, d'autres l'alcool triste? C'est des phrases qu'on entend depuis qu'on est petit, ça, hein? Et d'autres encore l'alcool agressif. Oui, enfin, ça dépend en fait des quantités d'alcool et ça dépend aussi si on est malade de l'alcool ou pas. La prise d'alcool à petite dose. Tu vas aller faire un tour derrière? 2 secondes, le temps que ça se mette. Après.
La prise d'alcool... C'est qu'une question de quantité ou est-ce que c'est aussi une question de personnalité? Ça, je voulais savoir. Alors, il y a aussi la question de quantité, il y a aussi la question de personnalité. Il y a des personnes qui prennent 2-3 verres d'alcool, qui sont tout à fait volubiles, euphoriques, tout va bien, et puis d'autres avec une même quantité qui vont apparaître tristes, vont pleurer, vont se mettre dans un coin. Mais pourquoi? Parce que l'alcool est en quelque sorte, à dose faible, un révélateur de sa personnalité. Et pour peu qu'il y ait des influences de l'environnement qui interviennent, Cathy, qui est un, si vous permettez, un monstre de douceur, devient un monstre d'agressivité quand elle a bu. Est-ce que c'est révélateur de sa personnalité pour autant? Non, je crois que quand on a des problèmes avec l'alcool, l'alcool transforme le monde. Et se transforme aussi la personne elle-même. Donc révèle et transforme ou révèle ou transforme? Non. Je vous coince, docteur. L'alcool transforme le monde et la personne qui est malade de l'alcool se voit de manière extrêmement dévalorisée en étant comme quelqu'un donc de monstrueux, le mot a été dit, alors qu'en fait, justement, ces hommes et ces femmes, puisque ce sont des femmes que nous parlons ce soir, qui ont des problèmes avec l'alcool, sont des personnes qui sont extrêmement sensibles. Et c'est d'ailleurs une grosse difficulté pour ces personnes-là d'arriver à pouvoir gérer leur extrême sensibilité. Et que la prise massive d'alcool est un moyen de colmater les choses. Un exutoire aussi. Oui, un exutoire. Ouais. Et comme on ne peut pas gérer, on s'assomme. Quelqu'un veut ajouter un mot là-dessus? C'était moi, où je dormais, où j'étais agressive. Il faut oublier qu'il y a la souffrance également, il y a la souffrance du manque. Le manque, maintenant, on le sait, le manque, c'est le résumé de toutes les douleurs du monde. On le sait, hein, c'est la définition du manque, c'est le résumé de toutes les douleurs du manque. Quand on est en manque, quand on est toxicomane de l'alcool et quand on est dans la troisième phase, la phase de dépendance physique, après être passé, comme on l'a très bien décrit ce soir, par la phase de plaisir, puis par la phase de dépendance psychologique, ben, certaines personnes, après, tombent dans cette troisième phase, qui est la phase de dépendance globale, avec en particulier cette phase de dépendance physique. Ben, la définition de cette phase de dépendance physique, c'est la destruction du mécanisme de protection contre la douleur. Un alcoolique n'a plus de système de protection contre la douleur. C'est pour ça qu'il va réagir à la fois physiquement, on l'a très bien décrit, les douleurs, la douleur dans l'estomac, les tremblements, etc. Mais il va réagir également psychologiquement. Entendu, docteur. Nelly, je voudrais vous poser quelques questions. Je ne sais pas si votre fille va mieux ou pas. Non, pas pour le moment. D'accord. On va discuter, Rudy. Oui, ça va. Bon. T'as quel âge, Rudy? 19. Vous avez bu pendant 7 ans, madame, de 83 à 90. Mmh. Vis-à-vis de vos enfants, vous avez quel comportement? Méchante. Je suis agressive. Très agressive. Ouais. De quelle manière? À nous engueuler déjà, à nous taper. Des fois, c'était gentil, des fois même c'était par chantage, des fois ça marchait. Par chantage? Ouais. C'est-à-dire? Bon, des fois nous frapper pour pas qu'on le répète à notre père, nous disait bon je vais t'acheter ça et on répétait rien. Bon, on était petits, on calculait pas trop. Ah, t'étais petit toi, hein? Ah ouais, j'étais 8-10 ans. 8-10 ans? Ouais. Quels sont les premiers souvenirs d'alcoolisme que tu as, toi, de ta maman? Premier souvenir, c'est quand j'allais avec elle au bar, quoi. T'avais quoi, 7-8 ans, ça? 7-8 ans, ouais. Et tu te rendais compte qu'elle buvait trop ou... Bah, comment, à cet âge-là, pas trop, quoi, parce qu'on est là... Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens, ouais, parce que, bon, moi, j'allais au bar, j'ai joué au jeu, j'étais dans mon coin, je voyais pas trop ce qu'elle faisait. Bon, on restait quand même des heures et des heures à quand même boire beaucoup. Bon, des fois, j'étais avec elle au bar, je voyais qu'elle buvait son demi, ou alors ça venait un Ricard, un truc comme ça. Ça va, Milly? Milly? Ça va? Ça va bien? Tu viens t'asseoir? Bien sûr. Et toi, tu gardes quel souvenir de l'alcoolisme de ta maman? Tu peux en parler ou... Oui. Ouais. T'as des souvenirs précis? Ouais, des souvenirs, oui. Tu as quel âge aujourd'hui? Je vais avoir 18 ans au mois de février. Ouais. Elle était méchante avec nous. Pour moi, j'avais l'impression qu'elle nous aimait pas. Mais maintenant, ça va, quoi. Mais... souvenir que je garde, mais... Moi, une fois, elle arrivait avec Rudy d'un bar. Et elle est venue dans ma chambre, elle m'a réveillée. Elle m'a emmenée avec elle dans le sous-sol, dans la cave. Alors, il y avait mon frère Rudy et mon autre frère Stéphane. Ils me tenaient, ils me prenaient des seaux d'eau froide, ils me jetaient sur moi. Et ça, c'est... Et comment les frères peuvent être complices dans ces cas-là?
Par la méchanceté, on était obligé de suivre. Ouais. Parce que on se faisait taper dessus si on suivait pas. Si on faisait pas ce qu'elle nous disait, comme si elle nous disait pas de... si on faisait. Pas exactement ce qu'elle vous, ce qu'elle nous demandait. Ouais. Ouais, nous frapper ou. Et suivre à la lettre tout ce qu'elle disait. Quoi. Ça a duré 7 ans comme ça. 7 ans. Ouais, c'était progressif quand même. C'était progressif. Ouais, ouais. Plus ça allait, plus ça empirait. Quoi. Ouais. Et vous en êtes rendu compte à un moment, c'est vous qui avez décidé d'arrêter? Ah non. C'est mon mari qui avait alerté le docteur, qui avait alerté ma voisine. La moindre alerte de m'emmener directement à l'hôpital. Et un soir, j'ai déjanté parce que mon aîné avait ramené de mauvaises notes. Mmh. Il a pris le petit par la main, il est parti chez la voisine. Mmh. Émilie est partie, Rudy était caché en dessous le lit, et c'est là que j'ai vu le docteur venir, les pompiers, les gendarmes, mon père qui est venu, qui était aussi alcoolisé que moi, qui me battait. Et il fallait que quelqu'un signe, parce que mon mari était sur la route, il était à Paris. Il battait, là, vous étiez déjà, qu'il était oui, grand-père. Oui. Et il n'y a personne de la famille qui a voulu m'aider, qui a voulu signer pour me faire rentrer à l'hôpital. Je suis rentrée de force à l'hôpital. Et votre mari n'était pas là ou... Mon mari n'était pas là, il partait le lundi, il revenait le jeudi soir. Alors bon, ben, le lundi, j'allais acheter mon alcool pour 4 jours. Et le jeudi soir, j'essayais de me tenir à peu près bien pour qu'il me voie à peu près normal. Hein. En exerçant une sorte de terreur sur les enfants pour qu'ils disent rien au papa. Quoi. Oui, mais dès que le camion arrivait, bon, Émilie allait au camion En 10 minutes, Patrice savait tout ce que j'avais fait. Hein. Ah bon? Je disais tout. Je disais tout à mon père, parce que mon père, je l'aime. Et quand il partait la semaine, il me manquait, il n'était pas là pour s'occuper de nous. Et dès que je le voyais, j'allais direct au camion. Et je disais tout ce qu'elle avait fait dans la semaine. Elle me l'interdisait de le dire. Et qu'est-ce qu'il disait ton père alors? Le papa, lui, il disait rien. Mais après, dès qu'il était à la maison, ça commençait à gueuler. Et... ça devenait infernal. Vous gueulez dessus Non, il ne me gueulait pas dessus. Il essayait de me faire comprendre qu'il fallait arrêter, que ce n'était pas bien. Mais ayant connu ça dans ma jeunesse à mon père, moi, je n'acceptais pas que j'étais alcoolique. Et j'allais même abattre mon mari pour que mon mari me batte moi-même. Oui, d'accord. Ouais. C'était une chaîne sans fin, quoi. Et le vendredi, le matin, quand il repartait, bon, ben, c'était reparti à boire jusqu'au vendredi soir. Hein. Le week-end, j'essayais de me tenir tranquille, mais bon, bah, ça recommençait. Lundi matin jusqu'au jeudi soir. Oui, jeudi soir, et puis jusqu'au jour où j'ai pété les plombs. Hein. Et pourquoi Rudy allait au bar pendant qu'Emilie restait à la maison avec d'autres? C'était quoi, vous? Ça prenait quel sens, ce rituel? Ça voulait dire quoi? Bah, c'était Rudy qui venait avec moi, Stéphane l'aîné restait à la maison avec Emilie, Philippe, au cas où il n'y aurait rien coûté. Téléphone. Pourquoi vous emmeniez Rudy avec vous? Parce que c'était Rudy, je ne sais pas. C'était Rudy. C'était Rudy. C'était le bouc émissaire. Oui, c'était. Mais au bar, vous ne faisiez pas la télé. Non, au bar, vous étiez derrière la console vidéo. Je prenais jouer aux jeux vidéo, comme ça, elle était tranquille. Puis voilà, je jouais aux vidéos, puis je voyais rien. Puis après, on rentrait. Même des fois, c'était à 11h du soir. Elle était complètement morte. Et elle me disait, elle me levait du lit à 11h du soir, viens, on va au bar. Bon, quand t'es petit, on se dit, bon, ben, on va y aller, quoi. Même des fois, je faisais les manœuvres pour qu'elle puisse reculer la voiture. Comme ça. C'est-à-dire? Ah oui, pour l'aider. Elle n'arrivait pas à sortir la voiture du garage, donc je faisais des signes à droite, à gauche. Des fois, on mettait une heure à sortir la voiture, mais. Et elle avançait tout droit, la voiture? Ouais. Terrible. C'est la voiture qui connaissait le chemin, là. Ouais. Ah ouais, après, ouais. Vous avez parlé d'une voisine tout à l'heure? Oui. Ouais, la voisine. Ouais. Ça rappelle le film avec Isabelle. Ouais. C'est le rôle, là, de cette voisine? C'est celle qui a fait sortir ma mère de là, quoi. Parce que, bon, c'est elle qui a appelé les gendarmes, c'est elle qui a appelé le docteur, le maire, tout ça, les flics. Ça durait des années pendant ce temps-là Non, c'était le soir où elle est rentrée en hôpital psychiatrique. Et avant ça? Et avant ça, bon, ben, elle voyait le problème, mais personne ne faisait rien à côté. Ils nous laissaient dans notre coin, enfin, c'était un petit lotissement. Tout se savait, mais personne ne faisait rien. Moi, j'allais chez ma voisine parce que je me sentais en sécurité. Moi. C'est quand j'allais chez ma voisine, j'étais sûre que ma mère ne vienne pas me frapper chez elle. Parce que maman, elle avait peur de la voisine. Puis déjà, papa avait dit à notre voisine, qui s'appelle René d'ailleurs, elle lui avait dit de surveiller maman que c'est pour nous, quoi. Vous la connaissez toujours, cette voisine? Oui, on la connaît toujours. Oui.
C'est étonnant de vous voir tous rassemblés, quoi. Je veux dire, de pouvoir en parler avec autant de liberté, je sais pas, c'est une forme de pas de revanche, mais de victoire, en tout cas, non? Oui. Vous en parlez comme ça avec la voisine aussi? Vous en parlez, vous, avec votre voisine? Bah, disons que maintenant, on habite à Lille, on habitait la Vendée, mais au téléphone, on en parle souvent, oui. Des fois, on en parle parce que, sur colère, on se dit, ouais, tu m'as fait ça, tout ça, tu faisais ça avant. Même des fois, quand j'ai bu un petit coup, elle me dit, arrête, un truc comme ça, fais pas comme moi. Elle me met dans le droit chemin, quoi. Même des fois, elle supprime l'alcool carrément à la maison, maintenant. Vous n'avez pas touché une goutte depuis cette époque-là? Non. Si, j'ai rechuté en août 91, quand j'ai eu des amis martiniquais qui sont venus. J'étais heureuse qu'ils soient là. Et quand ils sont partis, pour moi, j'avais l'impression qu'ils me laissaient tomber. Ouais. Pour moi, c'était... Je n'avais ni frère ni sœur, j'ai toujours été battue. J'avais l'impression qu'il me laissait, qu'il y avait un gouffre. Et mon mari avait fait rentrer de l'alcool, il avait promis de plus faire rentrer de l'alcool. Et je suis descendue dans la cave, je buvais des petits verres comme ça, plus ces médicaments. Combien de temps, cette chute? Ça dure un mois. Oui. Ça dure un mois, et un jour, Rudy m'a surpris à boire à la bouteille. T'as dû t'énerver, là. Ouais, j'ai pris le verre, je l'ai cassé par terre et j'ai appelé des amis. Qu'ils viennent pour qu'ils la remettent dans le droit chemin encore. C'est bien. Mais j'ai appelé, c'était des amis d'une association, La Vie Libre. Oui. Je les ai appelés, ils sont arrivés un quart d'heure après, et puis on fait la morale, quoi. Ça a suffi. Ah oui, ça a suffi. Donc vous avez rechuté un jour? Non, un mois. Un mois. Oui. Ça a mis un mois pour que tu puisses surprendre ta mère. D'accord. Merci. Dans quelques minutes, Sigrid, on va voir un reportage sur la cure, la post-cure que vous êtes en train de suivre. Ce sera une découverte pour beaucoup de gens, je pense. Avant cela, quelques mots aussi sur vos enfants. Eux sont quatre, vous en avez cinq, dont trois d'un coup. Ce qu'on appelle des triplés. Vous avez vu pendant une vingtaine d'années, vous étiez donc déjà maman de triplés. Pendant cette période, vous avez eu deux autres enfants. C'est-à-dire un enfant qui a aujourd'hui 14 ans et une petite fille qui a quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc toute petite. Comment vous avez pu porter des enfants, puis vous occuper d'enfants tout en étant dépendante à ce point d'alcool? Parce que j'ai eu des moments d'abstinence, donc j'ai 5 rechutes. Et entre les rechutes, j'ai eu des moments d'abstinence, donc à chaque fois que j'étais enceinte, j'arrêtais. Pendant toute votre grossesse? Pendant toute ma grossesse. Ce qui fait que vos enfants n'ont pas de séquelles? Non, aucun. Non. Mais j'ai pas commencé à être dépendante quand j'ai eu mes filles, hein, donc je ne buvais pas à cette époque-là. J'utilisais un autre psychotrope. J'utilisais la drogue. La drogue? Ouais. Quelle drogue? La marijuana, une drogue douce. Ouais. Enfin, tous les rapports sont d'accord pour dire aujourd'hui que c'est... en tout cas, le rapport du professeur Rock, le dernier qu'on a, que ça fait moins de dégâts que l'alcool. Hein. Oui, apparemment, oui. Apparemment. Maintenant. Vous l'avez ressenti, vous, que ça faisait moins de dégâts que l'alcool? Je sais pas. D'accord. Je crois que oui. Je vais donner la parole à un médecin, juste 2 secondes, juste pour savoir quelles sont les séquelles qu'une maman alcoolique peut transmettre à ses enfants quand elle ne s'arrête pas de boire pendant sa grossesse. C'est Marion Husson qui va nous répondre sur ce point. Bonjour docteur, vous êtes médecin, vous exercez dans la seule unité en France qui accueille des femmes alcooliques avec leur bébé. Au centre Louis-Sevestre, oui, un petit village à côté de Tours qui s'appelle La Mombrolle. C'est-à-dire que vous associez les enfants à la thérapie? Alors absolument, c'est-à-dire que donc nous accueillons 140 personnes, une quarantaine de femmes, une centaine d'hommes, et parmi ces quarantaines de femmes, 20 peuvent venir avec leurs enfants, des petits-enfants âgés entre 3 mois et 6 ans. D'accord. Un enfant né de maman alcoolique doit être sevré à la naissance? Alors parfois quand la maman s'alcoolise tout le long de sa grossesse, l'enfant a exactement les mêmes signes que la maman, c'est-à-dire un syndrome de sevrage très important, parfois même avec des déliriums très minces, des trémulations, des agitations, il peut même faire des Même à nourrisson, vous voulez dire? Même à nourrisson tout petit. Hein, on a des nourrissons qui peuvent naître avec des taux d'alcoolémie à 1 g, 1,50 g, c'est-à-dire qu'il absorbe complètement l'alcoolémie de la maman. Il y a des séquelles durables à part cette alcool? Alors ça, on peut dire que c'est une séquelle qui est très momentanée. La séquelle la plus importante, c'est le retard mental. Hein. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui naissent avec un retard mental qui est proportionnel à leur permètre de crânien. C'est-à-dire que pendant tout le long de la grossesse, si la maman s'alcoolise pendant tout le trimestre, enfin les deux derniers trimestres surtout, la croissance cérébrale est extrêmement endommagée. Et donc ces enfants naissent avec des retards psychomoteurs et des débilités mentales qui sont proportionnelles à ce petit périmètre crânien. Alors, si la maman ne boit que pendant les premiers trimestres, le premier trimestre de la grossesse, il a des malformations graves, à type de malformations cardiaques, fente palatine, malformations des extrémités. Fente palatine, c'est quoi ça? C'est des becs de lièvre, ce qu'on appelle le bec de lièvre. Donc, ce sont des enfants qui sont... Les extrémités, allez-y jusqu'au bout, docteur. Des malformations des mains et des pieds, hein, et si bien que ça fait des enfants extrêmement handicapés.
Donc nous avons été amenés à soigner ces mamans avec leurs enfants, parce qu'il n'est jamais trop tard, parce que même si l'enfant est lourdement handicapé, de toute façon il aura besoin d'une maman en très bonne santé pour pouvoir s'occuper de lui, et tout un environnement d'éducateur, de psychomotricien, de rééducateur pour pouvoir l'aider dans sa vie future. D'accord. Sans parler d'alcoolisme, est-ce que la femme peut boire modérément pendant sa grossesse? Ou pas? Non. Ou c'est tolérance zéro là aussi? Non, c'est la dose de sécurité pour les Américains, c'est-à-dire surtout pour les Canadiens qui ont fait énormément de campagnes pour éviter cette cause de débilité mentale. Il faut savoir que c'est la première cause de débilité mentale évitable en France. C'est-à-dire ça touche à peu près 2 pour 1000 naissances. Et si on veut vraiment que ça cesse, il faut vraiment que la maman soit complètement abstinente du début jusqu'à la fin de sa grossesse. C'est clair. C'est clair. Merci docteur. Sigrid, vous terminez donc actuellement une post-cure dans le centre Anne Carré, qui est dans le département de l'Eure. C'est un lieu qui n'accueille que des femmes. Oui. Et qui traite les femmes comme des femmes, on va le voir. Un lieu qui vous prépare à votre retour à la vie. C'est dans une dizaine de jours, je dis ça à votre fille à qui je donne la parole juste après ce reportage, incluant des cours de cuisine, de gymnastique et même de maquillage. Et vous trouvez jolie, vous avez raison de vous trouver jolie. Voici le reportage de Caroline Coldéfi et de Ludovic Fortin. Je sortais plus, je ne faisais plus les courses, je n'arrivais à plus me laver. J'avais plus de guagne. Je sais qu'une fois, j'ai même eu très peur parce que j'ai appelé le médecin. Je pensais que je faisais des déliriums en me regardant dans la glace. J'avais l'impression de voir une morte vivante. Donc je pensais que c'était vraiment... J'hallucinais, quoi, complètement, et que je voyais des choses dans la glace. Apparemment, c'est, je me voyais moi, quoi. Je me suis fait peur. Il y a 3 mois, Sigrid buvait 4 litres de whisky par jour. Aujourd'hui, après un sevrage en hôpital, elle est en post-cure dans un centre où seules les femmes sont accueillies. Ici, d'abord, on réapprend à communiquer. Premier sujet de conversation, l'alcool. Ça fait combien de temps que vous utilisez l'alcool? Depuis l'âge de 16 ans. C'était comment à ce moment-là? J'avais un bien-être. Ça me permettait d'amuser les autres. Les autres, c'est-à-dire? Les copains, les copines. Moi, je ne parlais pas. Hein. Ça ne m'aidait pas à parler. Moi, c'était statu quo. Hein. Une fois que j'avais bu, je ne parlais pas. Je me laissais mourir. Je n'avais plus envie de vivre. Sigrid? Mais j'ai toujours peur de la réalcoolisation. C'est vrai que je me suis beaucoup alcoolisée parce que je me sentais énormément seule. Donc ça me fait peur, ça aussi, la solitude. Mais bon, il faut que je travaille là-dessus. La solitude, la culpabilité, le regard des autres, toutes ont connu les mêmes souffrances. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, elles en parlent. Ce que je faisais, c'était me lever, boire, fumer ma cigarette, regarder la télé, même plus faire à manger pour les enfants, plus rien. C'était mon mari, quand il rentrait du travail, qui faisait tout. Donc, j'avais qu'une aide d'ailleurs que mon mari parte travailler pour moi pouvoir boire. Il y a pas si longtemps, t'étais encore, tu culpabilisais beaucoup pour ça. Oui, je crois que ce week-end, là, il m'a vachement ouvert les yeux. Même mon fils, là. C'est important. Et parce que je dis, avant, moi, il m'appelait carrément la vieille, et maintenant, c'est maman, ma mère. On voit bien que ça sent du fond du cœur. C'est ça qui me fait plaisir, parce que lui, il était très dur à rattraper. Ouais. Mais ils avaient une façon de se manifester. C'est super de pouvoir entendre, surtout quand on a le regard des autres. C'est vrai que ça fait mal le regard des autres, mais surtout de sa famille, surtout de ses propres enfants. Sigrid. Oh. Ouais, des bonnes nouvelles. Oh. Voilà. Je pars au bureau et j'arrive. Elle avait des choses dures à me dire, je préfère qu'elle m'écrive. Apparemment, elle a répondu. Donc c'est déjà positif de savoir qu'elle reprend le contact. Ça fait quand même des années, depuis l'âge de 16 ans. Souvent, j'étais alcoolisée, j'appelais maman comme ça le soir pour lui dire qu'elle me manquait et que je l'aimais. Et puis je me disputais avec elle, quoi. Mais c'est vrai que je la recherchais beaucoup quand même, il y a toujours ça. L'alcool l'a aidé à dire parfois des choses, et notamment à prendre le téléphone et à dire à sa mère ce qu'en temps normal, elle ne pouvait pas dire.
Alors, c'est pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais ça y ressemble un petit peu, quoi. C'est sans alcool, je la déteste. Sous alcool, je lui dis que je l'aime. Mais est-ce que je dois être condamné à consommer de l'alcool systématiquement pour pouvoir dire mes sentiments? C'est ça aussi qui est merveilleux dans la cure, hein, et la post-cure, c'est qu'on prend le temps d'analyser tout ça, prend le temps de se retrouver soi-même et de pouvoir dire les sentiments tels qu'ils sont effectivement précis, quoi, hein, et forts, et les dire sans avoir recours à un psychotrope quel qu'il soit. Sigrid a eu 5 enfants. Elle évoque beaucoup sa culpabilité vis-à-vis d'eux, même si elle sait que ça n'efface pas la souffrance. Il n'y avait que l'alcool qui comptait pour moi, alors que mes enfants étaient quand même là, ils étaient proches, et que pour moi, j'étais vraiment une mère indigne. Mais je sais que j'ai été agressive avec mes enfants. J'ai pu taper mes enfants parce que j'étais énervée, parce que j'avais besoin d'alcool. Je ne me pardonne pas du tout. J'ai la compréhension. Mais le pardon, non, il n'y a pas de pardon. Je pense qu'il n'y a aucun pardon, ni pour moi, ni pour ma famille. Dans le centre Anne-Carré, on apprend à vivre sans alcool, une abstinence totale, pas toujours facile à envisager. Je voudrais bien continuer à vivre normalement, à pouvoir prendre le soir de Noël une coupe de champagne ou à l'occasion d'un baptême ou d'un mariage, mais tout en sachant qu'on ne peut plus. C'est très dur, ceux qui passent la vie en famille, tout ça. Vous voyez toutes ces bouteilles sur les tables. C'est quelque part, nous, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas être comme eux? J'ai une compagne de chambre avec qui j'ai partagé énormément de choses. J'ai partagé sa souffrance, elle a partagé la mienne. J'ai partagé plus que j'aurais pu partager avec une amie. C'est inexplicable. C'est un partage de chaque jour, de chaque nuit, de chaque moment. Il y a de l'affection, mais je dirais même il y a de l'amour vis-à-vis de cette personne. Et elle s'en va aujourd'hui. Florent, ma je vais me moquer. Tu on va se revoir. Bah, j'espère qu'on va se revoir quand même. C'est tout. Tu vas bien, moi je vais bien, il n'y a pas de raison. On sait bien ce qu'on s'est dit de toute manière. Si ça va pas, tu m'appelles pas. Si je vais pas, je t'appelle pas. Tu te protèges, je me protège. Il n'y a pas de raison que ça aille pas. C'est sûr. Alcool de l'oubli, rien ne m'ennuie. Aujourd'hui, la réalité, problème, difficulté, rien n'est réglé. Pour toi, je te dis adieu. Sans toi, je vis mieux. Amour sans détour. Adieu, fausse amie qui empoisonnait ma vie. Remède vicieux, délicieux. Sans toi, je vis mieux. Pour le meilleur et pour le pire, les larmes et les rires, adieu. Sigrid, elle, doit encore rester quelques semaines dans le centre. L'une des phases importantes de son rétablissement passe par la réappropriation de son corps. Il y a beaucoup de femmes qui essaient de rechercher ce qu'elles étaient avant. Moi, je ne sais pas trop ce que j'étais avant. Apparemment, pour moi, je me découvre. Je ne me redécouvre pas, mais je me découvre. Et je m'apprécie énormément. Sigrid a appris à redécouvrir des choses sur elle, trouver des ressources qu'elle avait en elle, retrouver du plaisir de s'occuper d'elle. C'est important qu'elle ait à nouveau envie de vivre, quoi. Elle sait ce qu'elle veut plus, quoi. Au début, quand elle est arrivée ici, elle savait pas trop ce qu'elle voulait. Maintenant, je crois qu'elle sait ce qu'elle veut. Il y a une chose qui peut... Enfin, moi, je le vois par rapport aux soins, qui peut revenir parfois. Une demande des résidentes, c'est quand elles viennent en soins la première fois, c'est... Sophie, enlevez-moi toute trace d'alcool par rapport au visage, quoi. C'est vrai, quand je suis arrivée, moi, je me trouvais tous les défauts de la terre. Je me trouvais gros, je me trouvais moche, même de me regarder dans un miroir, c'est vrai que je me regardais plus du tout, moi. Et maintenant, c'est vrai que je me trouve jolie maintenant. Je suis jolie. Moi, je m'adore. Elle est jolie. C'est charmant. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas trop jolie? Des années. Ça fait des années que vous n'étiez pas trop jolie, c'est vrai, des années. Oui, ouais. Des années. Vous avez eu très ému par la lecture d'une lettre que votre maman vous a envoyée. Elle vous l'a envoyée en cure, c'est lié au fait oui, que vous arrêtez oui, l'école. Oui, on nous assiste à écrire pour faire passer le message aux parents, à la famille. Hein, parce que c'est vrai que la famille, c'est très difficile par rapport à la famille. Ils ont un peu de compréhension, si on est toujours bon. Ma mère, c'était toujours manque de volonté. T'as pas de volonté, ma fille, tu n'y arriveras pas, t'as pas de volonté. Donc j'ai voulu, déjà, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis partie de chez moi. Depuis que j'ai 16 ans, que ben, je ne corresponds plus du tout avec ma mère, j'ai plus de rapport avec ma mère. Et ça fait un bout de temps, alors. Hein. Ben oui. Donc là, vous lui avez écrit de la cure? Je lui ai écrit de la cure et elle m'a répondu. Voilà. Donc on a pu quand même ben,
reprendre contact tous les deux. Par la suite, il y a encore des choses à faire. Mais cette lettre, c'est une lettre qui a des suites, quoi. C'est pas une lettre... C'est une lettre qui va avoir des suites, oui. Ah, c'est important. Vous sortez dans 10 jours. Oui. Les premiers jours vous font peur? Non, pas les premiers jours, non. Non, j'ai pas peur de moi, je suis sûre de moi, mais j'ai peur des autres. Des autres? Oui. Peut-être pas mon entourage, mais des autres. C'est-à-dire? De quoi vous avez peur? L'extérieur, les gens. Ah oui, du monde en général, quoi. Ou de l'incitation en particulier? Pas forcément l'incitation, des autres. Est-ce que vous êtes capable de récupérer votre petite fille, celle qui a 2 ans et demi? Je vais récupérer ma petite fille. Vous avez envie de vous occuper d'elle? Ah, énormément, oui. Ouais. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec les 4 autres? Donc on a Tania qui est là. Tania, oui. Avec Tania, j'ai une très bonne relation, mère-fille maintenant. Hein. Différente, bien sûr. Maintenant, mère-fille. Ah, plus tout à fait 2 ans et demi, cette petite. Non. Non. Et les autres? Avec Marie-Rose aussi, mère-fille. Avec mon fils, mère-fils. Mais bon, c'est vrai qu'avec ma fille Eliane, non. Donc c'est une des 3 triplées? Voilà, elle n'a plus confiance. Pour elle, je suis qu'une poivrotte, qu'une alcoolique. Tout ce que je fais ne sert à rien, ma cure ne sert à rien. Voilà, donc elle a... Vous en parlez avec Eliane, Tania? Ah oui, j'en parle beaucoup. Hein. Ah oui, oui. Mais elle veut pas comprendre. Elle veut pas comprendre. C'est non, maman, c'est une alcoolique, elle s'est jamais coupée de nous et elle veut pas chercher à comprendre. Vous avez sans doute découvert avec nous les efforts que fait votre maman. Est-ce qu'il y a des efforts? Même si cette cure, elle a vraiment spécialement bien foutue, ou je me trompe? Très bien, oui, mais ouais. Bon, c'est pas de tourpeau. C'est pas de tourpeau, non. C'est très difficile. Je suis passée par des épreuves très dures, très difficiles. Combien de temps ça a duré en tout? Ça a duré 3 mois. Comme c'est long pour moi déjà. Oui. C'est pas différent. C'est long et court. Mmh. Long et court pour le travail qu'il peut y avoir à faire. Mais... Qu'est-ce qu'il y a de si dur, hein? C'est quoi? C'est le sevrage ou c'est la cure? Non, le la... sevrage, non, soi-même. Le sevrage, non, j'avais fait le sevrage avant. Hein. Donc, moi, j'ai fait quand même 1 mois d'hospitalisation, un peu plus d'un mois. Donc, j'ai été largement sevrée. Non, c'est tout le travail qu'il y a à faire sur soi, c'est toute cette souffrance qu'on a aussi bien à l'intérieur, mais physiquement aussi, c'est tout le travail qu'il y a à faire. Puis redécouvrir son corps, faire du sport, se remuscler. Tout redécouvrir, pour moi, c'est pas une renaissance comme ça peut être pour certaines, pour moi, c'est carrément une naissance. Je me découvre à l'heure actuelle, j'apprends à m'apprécier, je m'apprécie énormément. Vous avez l'impression que vous n'étiez jamais découverte? Non, ah oui. Non, pas du tout, je ne me connaissais pas, je me découvre. C'est triste, hein, Tania, quand même. Enfin, c'est triste et beau à la fois, quoi, en même temps. Oui, oui. Tania, le fait que la petite ait été placée en nourrice, ça a été facile pour toi de l'accepter? Ah non, pas du tout. Ah non, 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 non. Bah, c'est quand que j'ai appelé l'ambulance et le médecin pour qu'on emmène maman faire sa cure, et ben ma petite sœur était encore à la maison, donc elle était toutes les 3, les triplées. Et à cette époque-là, j'avais que 17 ans. Et bon, bah, j'ai fait, t'inquiète pas, maman, je m'occupe de l'Océane... Tout va bien. Donc, je l'ai gardée 3 jours, ma petite sœur. Et après, la juge a pris une décision d'envoyer quelqu'un venir chercher ma petite sœur pour la placer. Et moi, je n'ai pas accepté. C'est que dès qu'ils sont venus, parce qu'il y avait 2 policiers qui sont venus avec une assistante sociale pour prendre ma petite sœur, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite sœur et puis je l'ai enfermée dans la chambre parce que je ne voulais pas qu'ils la prennent. Je voulais, moi, m'en occuper, moi. Je voulais pas. Ça se passe bien avec la nourrice depuis? Ah oui, oui, c'est... Elle est gentille? Ah oui, elle est très gentille. Ouais. Isabelle, ça vous rappelle des souvenirs du tournage aussi? Parce que là, je sais pas si vous avez l'impression que le fait d'avoir eu les triplés à 20 ans, un enfant à 20 ans, déjà, c'est une charge, mais alors 3 d'un coup, boum, quel que soit l'âge, quelle que soit la solidité de la famille, 3 d'un coup, c'est l'enfer. Hein, c'est l'enfer. C'est plus de 20 biberons, c'est... Mais elle a quand même réussi à nous élever toutes les 3. Et je la félicite pour ça. Ouais. Docteur, vous voulez dire un mot? Oui. Sur cette maman avec sa toute petite fille de 2 ans, ouais. Notre unité justement accueille les mamans avec les enfants pour éviter la rupture. Alors c'est bien sûr pour le bien de la maman, parce que effectivement le fait de conserver près d'elle leur enfant, c'est une grande satisfaction, puis ça évite la culpabilité du placement, parce qu'en plus de l'alcool, il y a le placement à cause de mon alcool, et donc ça renforce la culpabilité, et puis en plus c'est positif pour l'enfant, parce que les pédopsychiatres... Mais là vous êtes en train de jeter une pierre un peu à Sigrid, là, parce que Sigrid est... Non, mais positive, c'est bien, la petite est bien chez la nounou, c'est parfait. Ouais. Mais c'est vrai que, je le dis pour les mamans là, qui viennent actuellement avec leurs enfants, c'est vrai que ça évite la rupture, parce qu'on sait que les pédopsychiatres le disent, qu'une rupture comme ça, dans des moments très précoces dans la vie, dans la prime enfance de l'enfant, avec la ça maman, compte, ça compte. Ça compte, et puis ça fait aussi, ça entraîne un sentiment d'abandon parfois et de dépression, et c'est justement ce sentiment d'abandon et de dépression. Allez, on fonce bien, on dirait Tania avec mais sa sœur. Mais c'est vrai, c'est une réalité.
réalités. Ah. Alors c'est pour ça que bon, je préfère dire les réalités plutôt que de les cacher, parce qu'il y a énormément on masque énormément de choses avec l'alcool, on veut rien dire, je crois que c'est important d'en parler. Et puis si on veut éviter que les scénarios familiaux se répètent comme ça, de parents à enfants, il faut bien que les choses s'arrêtent et traiter les deux à la fois. Que les choses soient claires en tout cas, et soient dites, hein, comme on l'a entendu dans la famille Rousseau tout à l'heure, de toute façon, qui se parle. Moi, le docteur, viens nous rejoindre. Vous voyez, docteur, viens nous rejoindre ici. Isabelle, vous voulez dire un mot à propos de... Je sais pas, enfin, c'est vrai. Asseyez-vous, docteur, je vous en prie. Bonsoir, excusez-moi. Vous voulez dire un mot à propos de ce que vous avez... Enfin, de ce qu'a vécu votre personnage dans le film par rapport à... Non, mais effectivement, depuis le début de l'émission, je suis très surprise de retrouver énormément de choses du téléfilm. Et je pensais peut-être pas du tout à ce point, d'ailleurs. C'est vrai que le rapport aux enfants, tout ça, finalement, on est assez juste. Je pensais pas à ce point-là. Ok. Docteur Philippe... Alors, Wagmacher, c'est un mot flamand. Ah oui. Oui. Je viens de Dunkerque. Vous venez de Dunkerque, du Nord. Et bien chaleureux. Vous êtes médecin, vous êtes gastro-entérologue, alcoolologue également, chef de service à la clinique de la Grande Sainte. C'est pas la Grande, c'est Grande Sainte, c'est le nom de... Dans le département du Nord, précisément à Dunkerque. Oui. Est-ce que vous nous expliquez le processus qui fait qu'un ancien alcoolique, vraiment, qui est malade d'alcoolique, ne peut plus boire une goutte d'alcool? Est-ce que je peux l'expliquer? Non, pas plus que quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, au bout de 7-8 ans, reprendre un tout petit peu d'alcool? Voilà. Écoutez, demandez aux malades alcooliques qui vous entourent et qui ont un sevrage depuis des années. Il y a un vieux proverbe qui a dit « qui a bu, boira ». Mais je crois qu'il y a encore quelque chose de vrai. C'est l'alcoolique abstinent, même depuis des années, qui remet de l'alcool dans son corps, aura envie de recommencer. Et ça risque d'aller même extrêmement vite, malgré une longue abstinence. Ouais. Ce qui nous fait dire souvent, et je pense moi que c'est une réalité, on ne peut pas dire un buveur guéri. Jamais. Il n'est pas guéri. Jamais. Il est toujours malade alcoolique et jamais il ne pourra supporter de reprendre une goutte d'alcool. Alors c'est un petit peu dramatique, mais c'est comme une allergie à un autre produit. Vous êtes allergique à tel ou tel produit, vous avez beau ne pas en prendre pendant des années, vous en remettez sur la peau, dans votre corps ou n'importe quoi, vous allez redéclencher votre allergie. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes, bien sûr, mais c'est un peu comparable. C'est-à-dire que les cellules du corps ont une mémoire, quoi. Il y a une mémoire, ce qui veut dire également que l'objectif pour traiter, pour aider les malades alcooliques à se sortir de cette période de maladie alcoolique, c'est uniquement l'abstinence. D'abord. Et la deuxième chose, cette abstinence est définitive. Voyez un petit peu la difficulté qu'ont les médecins, que nous avons tous, psychiatres ou non-psychiatres, pour pratiquement condamner les gens, s'ils veulent s'en sortir, à ne plus jamais boire d'alcool. Tout à l'heure, quelqu'un disait, mais j'espère bien, c'était dans le film, là, j'espère bien dans quelques temps pouvoir reboire au Nouvel An, pour n'importe quelle fête. C'est là la difficulté. La difficulté, c'est justement qu'il faut progressivement leur apprendre que l'alcool, il faut l'oublier. Et c'est là qu'il faut faire extrêmement d'attention. Je crois qu'il y a des pièges dans la vie. Un jus d'orange avec de la vodka dedans, ça ne se voit pas quand vous prenez le verre. Une bouteille de bière dite sans alcool, vous la mettez à l'envers, je ne citerai pas la marque, on ne doit pas les citer, mais c'est quelquefois exactement le même flacon une bouteille de bière normalement alcoolisée. Ce qui veut dire aussi que dans le traitement ou dans ce qu'on doit proposer aux gens, essayez de changer le goût de ce que vous buvez. Essayez de ne pas imiter ce que vous preniez avant. Vous allez obligatoirement un jour vous tromper, volontairement ou non d'ailleurs, et vous allez rechuter. Un dernier mot, est-ce qu'on peut décrocher seul? Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui ont réussi à décrocher seul? Parce que ce n'est pas le cas de nos invités. Écoutez, il y en a qui me le prétendent. Je ne pense pas qu'on peut décrocher seul. Je ne dis pas que le médecin est indispensable. De toute façon, la médecine, le médecin, le médicament n'est qu'un maillon dans les étapes d'un traitement. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Certaines personnes disent « j'ai arrêté tout seul ». Je me méfie un petit peu. Était-ce vraiment des malades alcooliques?
Est-ce que c'était des volontaires abstinents, des abstinents volontaires ou quelque chose comme ça? Et est-ce que ce n'est pas des gens qui vous laissent vanter en disant « mais moi ?» Parce qu'il faut pas... Il y a une nuance entre la maladie alcoolique et puis des gens qui ont un problème d'alcool. Enfin, qu'on... Voilà. Enfin, on parlait des trois stades tout à l'heure, c'est très clair. Hein. Alors, il y a le malade alcoolique, c'est-à-dire celui qui est alcoolodépendant, et il y a aussi le buveur excessif. Et le buveur excessif en est encore à un stade où il peut faire machine arrière. Il peut s'arrêter tout seul. Il peut modérer, lui, sa consommation, sans forcément passer au stade d'alcoolodépendance. Alors, Cathy et Christelle se sont pas mal appuyées sur les ha-ha, les alcooliques anonymes, pour vous en sortir. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a marché dans les méthodes qu'ils distillent, si je puis me permettre? Ben, je dirais que pour moi, ça a été d'abord... Une énorme entraide, en fait. C'est l'entraide qui est la plus importante. C'est-à-dire qu'un jour, je ne me suis plus sentie seule avec mon problème. Voilà. Je ne suis plus jamais seule, en fait. Mais on ne ressent pas ça dans toutes les cures? Je n'ai pas fait de cure, donc je ne peux pas en parler. Je n'ai pas eu d'assistance médicale, ni d'analyse, ni rien, que les arts. Que de l'assistance psychologique. Absolument. Et de l'entraide. Moi, je suis restée en alcoolique anonyme. Ce qui m'a fait poser mon verre, c'était le système des 24 heures. On ne va pas rentrer dedans. La seule chose qu'il dit, c'est essayer de ne pas boire pour 24 heures renouvelables, bien sûr. Ce système-là, oui, je crois que si on m'avait dit de ne plus boire définitivement, j'aurais pas pu tenir, ça c'est évident. Et il y a aussi le système d'anonymat, c'est pourquoi ça se marche comme ça. Oui. Puis c'est vrai, ce qui est important aussi, je crois que c'est qu'une fois qu'on arrête l'alcool, il faut remplacer par quelque chose d'autre. C'est ça aussi. Vous fumez ? La difficulté, elle est là. Je fume, mais je fumais déjà avant de boire. Des joints ? Non, des cigarettes. Mais comment vous compensez ? Oui. La cigarette vous suffit pour compenser l'alcool ? Non. Non, c'est autre chose. C'est qu'en fait, il faut... Bon, par exemple, je sais que pour moi, j'ai passé quand même 6 mois à avoir des obsessions d'alcool. Donc, seule, je ne pouvais rien faire. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, il y a quand même une entraide très importante. Ça ne marche pas sur tout le monde, à vous, Marie-Ange? Ça n'a pas fonctionné avec vous, hein? De quoi, les alcooliques anonymes? Ouais. Non, moi, j'y suis allée, j'étais en état d'ébriété, pas possible. Je voudrais dire une chose, parce que je ne voudrais pas le perdre, ça. Oui, je prie. Guérir physiquement... En très peu de temps, le corps, on arrive à la désintoxication. Psychologiquement, c'est beaucoup plus. Il faut beaucoup plus de temps. Au point que vous pouvez vous lever le matin avec ce qu'on appelle des cuites sèches. Au niveau des rêves, vous avez une consommation. Vous rêvez la bouteille, vous rêvez le verre, vous rêvez la fête. Et le matin, vous avez les symptômes de la consommation. La vache. Pardon. Ah oui, c'est impressionnant parce que... La cuite sèche. La cuite sèche, on appelle ça. Après, un truc que je conseillerais... Éviter les boîtes au début. Vous connaissez la cuite sèche ici? Oui, tout à fait, on le vit. Tout le monde connaît, mais comment il connaît pas? On le vit par le rêve. Par le rêve, parce qu'on a envie, certainement qu'on a envie. Et puis il revient nous enquiquiner pendant le sommeil, quoi. Et puis le matin, on a le même symptôme, la même tête, les yeux là, tout. Envie de vomir, envie de... Ah, c'est affreux, quoi, malade. Quoi, non, mais c'est une information. Vous vous souvenez de votre dernier verre? Non. Non. Vous vous souvenez, vous? Oui. Ouais. 31 décembre 96. Allez. Oui, dernière coupe de champagne. J'ai fini en Mais bouteille. Vous savez que c'est la dernière? Ah oui, bien sûr, je le sais. Enfin, pour aujourd'hui. Oui. Ça, vous êtes prudente, vous êtes prudente. Ouais. Ça veut dire que vous êtes dit en 97, ce sera terminé, quoi. Ah non, j'ai... C'est... Non, je me suis rien dit. C'est pas parce qu'il y a un basculement. Non, je me suis rien dit du tout. Comment vous saviez que c'était le dernier verre, là? Mais je m'en souviens. Ah oui. Simplement. Là, j'ai pas de trous noirs, j'ai de la mémoire. Mais vous avez des trous noirs, sinon? J'ai eu des trous noirs, bien sûr. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas compris juste un truc. C'est quand vous l'avez bu, vous saviez que ça allait être le dernier? Vous vous êtes dit que ça allait être le dernier? Je le souhaitais fortement. Ouais. Oui, je le souhaitais fortement. Mmh. Et depuis, je n'ai pas repris un autre. Et vous, Christelle, vous en souvenez du dernier verre? Oui, le 1er août 96 à 13h. Et vous vous êtes dit c'est le dernier aussi? Non, j'avais parti en réunion et je me suis dit... Je bois, mais de toute façon, ils m'auront pas parce que rien n'y a fait jusqu'à maintenant. Et en fin de compte, c'était le dernier, je ne le savais pas. Mmh. Mais moi aussi, j'espérais que ce soit le dernier, évidemment. Mmh. Ouais. Non, je ne me rappelle pas. Moi, je ne peux pas. Vous en avez parlé dans le film. Le dernier verre, ça me fait penser à la deuxième post-cure que j'ai faite, donc dans le midi. Et quand on arrive là-bas, même si on a fait 3 semaines de sevrage avant, la première chose, quand on a posé les valises, on nous dit, vous allez au bar du village, c'est un petit village, vous allez boire le dernier verre. Et même si j'en connais un qui était dans mon groupe, qui était au bar, il était obligé, mais il est obligé. Il est allé et on lui a demandé ce qu'il avait bu. Il a dit un café. Ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas bu. On l'a renvoyé au café.
Bienvenue, elle avait bu de l'alcool. Ouais. C'est la cure qui n'a pas marché, celle-là. Hein. Et c'est la cure qui n'a pas fonctionné. C'est la cure qui va marcher, non, pas très... Ouais, surtout au point de vue psychologique. Ouais. C'est là qu'on m'a dit, d'ailleurs, il fallait me séparer et tout ça. C'était pas... Ouais. C'était un peu... D'ailleurs, à la fin, si vous voulez, il y a des réunions de groupe. Ouais. On parle en groupe. Bon, ce qui est dit à l'intérieur du groupe, on ne doit pas être dit aux autres. C'est pas répété. Mais à la fin du séjour, on a le tribunal, comme on appelle ça, là-bas. Mmh. Alors là, il y a toutes les personnes qui ne font pas partie de la maison, qui ne font pas partie de votre groupe, mais qui assistent à ce tribunal. Même des gens de l'extérieur, totalement inconnus, des gens de la famille. Ah, donc il y a une trahison. Et puis, on vous interroge, et puis, pour finir, on interroge tellement bien qu'on raconte quelquefois ce qu'on a dit, qui devait rester secret, et on le dit devant tout le monde. Alors ça, c'est très, très dur. C'est une vraie trahison, ça. C'est très dur. Moi, j'ai pris ça très mal. Allez, c'est la fin de cette émission, Isabelle. Si vous voulez bien venir nous rejoindre ici pour conclure. Sous les applaudissements du public, merci. Alors, mis à part le fait que tout le monde serait aperçu que le film dans lequel vous avez tourné collait vraiment à la réalité, qu'est-ce que vous avez pris dans la bouche de nos invités de ce soir? J'ai surtout été impressionnée par... parce que je crois qu'il y a eu deux choses importantes ce soir. C'était un problème identitaire, en fait. Qu'il fallait surpasser pour certaines. Et puis, un mot qui revenait beaucoup, qui est l'abandon, qui est revenu dans votre bouche et dans la bouche de certaines. Et j'ai l'impression que cet abandon vient de loin, viendrait même de l'enfance, parce que visiblement, l'alcoolisme a démarré au moment de l'adolescence, donc au moment où normalement on devient une femme et où on est face à la société, et comme si cette image était impossible à exprimer, comme si en fait toute leur enfance les avait empêchés de se former, quoi. Et donc il y avait ça qui m'a semblé très fort chez elle. Et puis je crois qu'aussi il y a un problème global de société, je dirais, parce que je trouve qu'aujourd'hui on est dans un malaise social énorme, et je crois que les gens, s'ils ont de la compassion en entendant ce qu'ils entendent, c'est aussi parce qu'eux-mêmes se retrouvent dans une situation difficile. Et je dirais que la société n'aide pas, ne vous aide pas, surtout parce que l'image que renvoie la société des femmes, par exemple, est une image complètement déformée, c'est-à-dire que pas un endroit où on se promène, nous, femmes, on ne nous renvoie pas une image de femme parfaite, de femme battante, de femme presque hystérique, finalement. Et nous ne sommes pas ça. Nous sommes des gens avec des faiblesses et des solitudes, des désespoirs. Et alors, comment est-ce que, quand déjà on n'est pas formaté soi-même, comment est-ce qu'on répond à la société? Comment est-ce qu'on arrive à dire « j'existe, je suis, j'ai aussi une identité » C'est très difficile. Et c'est une des questions que je m'étais posée quand j'ai tourné le film, c'est que cette femme a eu deux jumeaux. Et je me suis dit, bon là c'est peut-être rentré dans une idée plus psychanalytique, mais... je me suis dit, l'alcool est arrivé après, les deux jumelles. Chez vous, il a existé en parallèle avec cinq enfants. Et je pense qu'une femme, quand elle est enceinte, elle a un sentiment de plénitude. Tout d'un coup, vous existez. Tout d'un coup, vous êtes un être humain avec une force vitale, une envie d'aller vers les autres, parce que vous êtes rempli. Et puis, brusquement, vous accouchez. Et brusquement, il y a un vide. Et donc, je crois que c'est à nous tous, enfin vraiment, d'être à l'écoute des autres un peu plus, et que l'entraide dont vous parliez tout à l'heure est vraiment importante, parce que l'être humain est riche et que voilà, quoi. Merci Isabelle Otero et à nos invités. C'est une belle conclusion, Isabelle. Merci à vous toutes et aux messieurs aussi.
La semaine prochaine, on parlera des disparitions, des fugues et des disparitions volontaires. Des fois, il se trouve qu'on a envie de partir. Bon, c'est une idée qui caresse l'esprit de beaucoup de personnes, mais certains sautent le pas, disparaissent pendant quelques jours, quelques semaines, quelques années. Parfois plus de 20 ans, ce sera le cas d'un de nos invités la semaine prochaine. On parlera donc des fugues et des disparitions volontaires. Pourquoi est-ce qu'on choisit de partir et de tout plaquer? On verra ça donc mercredi prochain à partir de 22h30, 22h40. Merci d'avoir été avec nous. Bonne nuit, à suivre le dernier journal de France 2 et Le Cercle avec Philippe Lefebvre. Merci, bonsoir. Bonne nuit.